On a reçu ma bonne amie, oui. très chère Vanessa Duchel. On, on était très content de la recevoir. Et on se disait tout le temps qu'on devait souper, là on l'a un peu faite. Devant ah. vous, on a soupé, on a patiné. Ouais. Et elle répond à la question que tout le monde se pose. Avec qui vous aimeriez mieux chanter? Céline Dion, Michel Fugain? Ou Patrick Bruel. Vous allez être non, surpris de la réponse. Oui, c'est vraiment <laughs> le fun. Elle a un podcast de dating, puis on a vraiment parlé de date. Oui Mais moi, c'est mon sujet préféré. Moi, j'ai hâte à la suite. J'ai hâte qu'elle vienne souper chez nous. Yeah! Ouais. Bonne écoute! Bye. Ben là, je tripe aujourd'hui parce que j'ai finalement la chance de jaser pour vrai. Moi, je suis allé à tes parties de <laughs> fête <'est> légendaires. <laughs> C'est comment ça s'appelle le bar Au, au date, ouais. au date, karaoke dans ouais. le village gay. Ouais. Et, euh, et là, ben finalement, Vanessa, t'es assis avec nous. <laughs> il, il est temps qu'on discute. Il oui, il discute. est temps On a des affaires. Moi, bon. j'ai C'est ça, mais moi, j'ai su avant, avant que votre histoire euh, éclate. Euh, qui mais ben, Pas éclate dans le sens que vous vous séparez, mais dans le sens qu'éclate euh, au grand jour, mettons. J'ai su toutes les l'amour que Victoria avait pour toi, ouais. et les épopées d'avant. Euh, les hauts et les bas. Exactement. Fait que tu m'as haï pendant un bout. Et... Ouais. Je <laughs> sais <laughs> pas haï, mais je t'ai... Christ de Bob, le chef en de... mal ouais. J'étais là, voyons, ouais. Caroline il va-tu se brancher, tu sais? Mais je vais se brancher. <laughs> puis euh, tu t'es branché, tu t'es bien branché, vous êtes plugué, puis maintenant vous êtes locked. On oh, est ouais. inséparables, même. Ouais. Ouais. Mais oui, Vanessa était là... Euh... Pour toutes mes épopées, vraiment. Maintenant que vous êtes en couple, elle n'a plus rien à me dire, fait elle ne me parle plus. Ah, oh, <laughs> Mais c'est vrai qu'on est, qu est, qu est supposé faire un double date depuis longtemps. Ouais. Mmh, ouais. fait Enfin, on va pouvoir parler un petit peu. On, on s'est parlé un moment donné à un, un show, mais comme pendant la track. Ouais. Oui. Un 12 minutes. Ouais. C'est vrai. Ça Je a sais été sais pas de quoi qu juste fait, ça. Puis après vrai. ça, on a essayé de s'entendre dans un bar. Ouais. Ouais. Donc, euh, oh, oh. au truc de cirque. Okay. Oui, au truc de cirque, au monastère. C'est ça, ouais. ça Ah ouais wow, mon gars avait fait ça. Ben oui, on avait amené Elvis voir le ouais. cirque, c'est vrai, c'était la première fois que, que je te voyais euh, puis qu'on discutait. Ah plus ben, peu, ben oui, ben Puis oui. que j'essayais de pas taire, puis j'ai fait ah. à la fin, j'ai fait comme "Ah, hey, j'ai l'air hypocondre." J'ai l'air sympathique. Je suis ouais. bien élevé. Mais tu pas juste l'air finalement. Ah. Je suis bien élevé, c'est ça mais qui me. même semble, Sonia m'a amené à plus Pipandote, le Sonia c'est la notre agente de commune. C'est notre plus notre plus grande fan, elle commande toutes mes stories. C'est tellement Ah ouais, vraiment cute, mais c'est ça au début, c'était pas parce que c'est sûr quand quelqu'un te raconte de quoi, puis tu sens que, que, que de la peine, que de la souffrance, que de la douleur là-dedans, t'es comme hey, voyons donc, je vais jamais l'aimer, cette personne-là! Ouais. Finalement, euh, de voir tout le bien que vous vous apportez, finalement pour ceux qui savent pas qui ça demande de quoi qu'on parle je battais Victoria non c'est pas le joke de ça non non mais c'était ouais mais c'était plus des comme pas sûr là tu sais au début puis ça c'est l'affaire aussi ça venait me chercher parce que y a quelque chose qui me rappelle aussi tes histoires passées quand tu dates des gens oh mon dieu je suis toujours en train de parler de dates on va en parler justement. non mais quand tu dates des gens tu t'es pas sûr là puis ça peut durer des semaines c'est pas des mois puis là t'es comme pourtant il y avait Là, qui me disait qui est intéressé mm. à moi après ça il me fait ça dans la face après ça il me fait ça puis il me dit ça puis là il y a plein de signaux c'est euh, mixtes là fait que euh, c'est ça c'était plus des ça. Textos. oui re... ouais, c'est moi qui ai mal compris astique finalement euh, ouais. t'as bien compris les, les, ouais. les, moi j'aime l'analyse de texto les, euh, Je je veux pas faire comme une différence entre gars et femmes mais les femmes vous êtes bonnes pour dire moi, moi je peux envoyer un texto à ma blonde puis ma blonde a dit t'es pas de bonne humeur je sais pas pourquoi tu dis ça je le sens. T'as pas ouais. mis des mots. On s'écrit. Tu sais comment dire? Pour le sentir, tu sais. Ouais. Mais, mais c'est fou. Parce que là... On dirait que je le feel. Ouais. Aussi. Des fois, je vais comme T'es sûr que ça va? Tu réponds hockey ouais. au lieu de hockey. Ouais. Ouais. <laughs> c'est un changement dans l'habitude aussi, j'ai l'impression. C'est pas juste le, le feeling. Au début, je pense que oui, c'est une question de feeling, mais il y a un changement dans l'habitude. Ouais. petite Victoria elle met toujours un bonhomme souris. Oui. Ouais. Pourquoi, mais là, elle a mis un point. Pourquoi depuis ouais. qu'elle met des points? Moi, je était mets une aubergine. Yeah. Ouais. <laughs> On se demande pourquoi, les gars. C'est <laughs> sûr c'est leur emoji préféré, une aubergine. Je sais pas pourquoi, là. <laughs> Mais ouais, c'est ça. Fait qu'un changement d'habitude, je pense que ça provoque. Euh... Une petite insécurité, là. Mmh. Ben, même même euh, l'aubergine, il ne faut pas s'en servir euh, euh, gratuitement parce que. Euh, non, non, non. <laughs> non parce qu'à un moment donné, j'en voyais comme. Euh, je parlais, je me souviens même pas avec quelqu'un de mes chums, puis j'en une aubergine. Puis là, elle avoue le soir que je texte, puis elle avoué tous les emojis récents dans le bas, puis elle est comme À qui t'as envoyé une aubergine ben, vrai, <laughs> Non, mais c'est parce que si on ne pas d'aubergine à moi, à qui on va des aubergines ben, <laughs> Cook. Oui, c'est ça l'affaire. <laughs> c'est comme une... de Pêche oui. aussi, une pêche. De quel cul tu parles, mon esthétique? Ah. Ah ouais, est... ah. euh... Oh, tu sais que je parle tout le temps du tien. Moi, <laughs> ah mais ce <laughs> qui est tough, parce que quand même, True Crime, elle n'a vu des affaires, elle n'a lu des affaires. Euh. Je t'en passerait pas oui. une vite à elle. C'est ça. Tu deviens obsesse, <laughs> là, c'est sûr. Même moi, j'écoute. J'écoute tout ce qu'elle fait, mais j'écoute aussi beaucoup de trucs. Puis ma blonde a étudié en criminaux. Fait que là, il y a plein d'affaires qu'on a en commun aussi, qu'on aime écouter. Puis un moment donné, tu viens qu'à. Te dire, Ben voyons donc, on l'a vu ça, ce, ce genre de scénario là à télé ou dans un livre ou dans un an, on l'a vu. Fait c'est sûr que le dénouement c'est ça, tu sais. Ou ouais. tu fais des liens plus rapidement, j'imagine. Ouais. Euh, fait que puis hey, elle a toujours un petit côté parano là. Bien, Tandis ça, que euh, toi, tu ouais. pourrais me tromper. Toi, ouais c'est ça. Je n'irais rien aller. Ouais non, euh, mais c'est parce que ça, le football. ça peut devenir <laughs> euh, maladif, surtout quand tu es dans des débuts de relation puis n'es pas sûr là ah, de toi, ce es que tu vis. Ah non, non, mais genre, une fois, je me rappelle, il faisait la route là-dessus Montréal. Puis, OK, je vais commencer la route. Tu sais, je, je, je peux plus te parler, mettons. Là, je vais t'appeler quand j'arrive. Parce qu'un bout, il n'y a, a pas de connexion cellulaire ouais. entre là-dessus et Montréal. Puis là, euh, <laughs> puis jusqu'à tout récemment, ben tout récemment, pas tant que ça, mais là, t'avais publié de quoi sur euh, Instagram? Genre, mes nouvelles recettes, j'étais... Mais Chris, il est arrivé depuis genre deux heures. Il, il m'a pas rendu. Mais c'était Alexis ah. puis Mathilde, son agent, qui publie des fois, genre pour lui. <laughs> Mais, mais ça, je me rappelle là, mais là, ouais. maintenant que tu es en couple, tu fais plus ça, j'imagine. Mais... Non, non, non. Puis même, euh, <laughs> non, non, c'est vrai, puis même euh, on le dit, moi, j'ai rien à cacher, je vais promener le chien le matin, mon cellulaire reste à la maison. Euh, même j'essaie mmh. beaucoup d'avoir mmh. des moments sans cellulaire mmh. dans la vie pour décrocher. Ouais, parce que même faire. quand je promène le chien, un matin, je check mon Instagram, je check tout. Puis... Mais t'en euh, as parlé, toi, pas. récemment, dans un épisode de ça, genre que ça... Je... C'était sexoral, la, la, la jalousie? Oui, c'est ça. Oui, ah, ouais, c'est ouais, ça. Puis t'avais dit. Le justement... pire, c'est que je pensais à toi souvent. Ah ouais? Pendant l'épisode. Mais, oui. Parce que je cherchais quelqu'un que je connaissais, que, que je sais que c'est une personne jalouse, tu sais. Mm -hmm. Puis je sais que t'es quand même. Je l'étais, je suis vraiment moins plus loin. Ouais, ouais. Parce a Oui, parce que l'air vraiment à te démontrer ouais. ce que tu veux. Fait que t'as plus besoin. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine que quand t'es jaloux, t'as as peur de perdre quelque chose, mm -hmm. tu sais. Sauf que là, si t'as plus peur de le perdre, il n'y a plus il n'y a plus de acquis. place à ce que... Non, non. Mais sans être acquis, mais tu sais, elle n'a plus, plus de sécure, peur de perdre parce qu'elle sait que es, c'est ça. C'est « locked ». C'est ouais, vraiment ouais, ouais, ça. Là. Ouais. Fait mais que... tu sais, c'est un, un travail. Un couple, c'est un travail d'équipe en même temps. Je veux mais dire, oui. euh, c'était à moi aussi à prouver un moment donné euh, que, que j'étais vraiment dans le beat de faire ouais. ça puis ouais. d'être en couple avec toi. Et puis Te faire justement des preuves d'amour euh, qui, ouais. qui font... En fait, euh... des, preuves, des preuves de « tu peux me faire confiance ». Mais oui, j'en parlais dans le podcast puis on se dit dans le fond que tu sais moi des fois ça m'arrive de juste parce que je savais qu'au début ma, ma blonde était à certaines une relation un peu plus difficile avant puis je voulais qu'elle sache que n'y qu avait pas de à, à s'en faire avec moi tu sais fait que souvent je partais puis je laissais mon téléphone ouais. de même juste pour qu'elle puisse voir ouais. tu sais qu'il n'y a rien qui arrive personne va texter ah tu te prends mon sel ah oh, check sur mon sel ouais. vas-y prends mon sel pour prendre le chemin énormément. Ouais ça c'est bon ça tu sais c'est pas directement ouais. relié à sait que c'est pas ouais. en fait sur le moment elle sait pas que c'est relié à ça mais moi je me, je me dis qu'en faisant ça, ça va donner comme une idée de ce qui se passe sur mon téléphone, dans ouais. le sens qu'il n'y a rien. Tu peux ouais. fouiller dans mes messages. Nanana, il n'y a vraiment pas de stress. fait mm. que Ça la rassurait, j'imagine. En tout cas, elle ne m'a jamais dit, mais j'ai l'impression que ça pouvait la rassurer. Puis euh, c'est ça. Puis maintenant, évidemment, là, il n'y a plus... Après ben non, quasiment quatre fait... ans, là, il n'y a plus euh, de jalousie. Là. Elle est comme, « Vas-y, va voir ailleurs. <laughs> » <'as une> <laughs> Mais tu penses quoi, toi, des couples qui « share » la location, fait qu'ils partagent leur localisation. Le vous le faites vous ouais. Ah ouais. On le fait, euh, mais c'est plus, c'est pas une affaire de, parce que ma blonde est bien inquiète. Mais une femme aussi. Oui. mais elle va entendre genre, euh, je sais pas moi accident d'auto à laval, là, va faire oh shit, ma blonde est passée à laval. Fait que là, de voir si je bouge sur ma localisation à faire comme ok, c'est pas elle, ou tu sais ouais. des trucs comme ça, ça va la rassurer, ou juste quand elle veut partir le souper, elle passe à me texter, elle va checker, à combien de temps de route. Fait qu'elle va le partir. Euh, fait que c'est plus pour ça. C'est pas. Euh, c'est plus aussi pour. c'est aussi pour pas se texter non-stop, genre t'es où, tu sais. Mm. Fait qu'on peut juste checker où ce qu'on est. Puis à part quand on se fait des cadeaux, des fois, tu sais, on, on peut enlever notre localisation, mais ça prend deux heures. Puis, hé, enlevé ta localisation. Puis j'en oui, Chris, je t'achète un cadeau. Je peux On pourrait le mettre. Mais oui, tu m'avais. Je t'avais dit comme tester. J'avais dit, tout t'en parles quoi, toi? Puis il avait dit, ah, moi, on peut le mettre, là. Est-ce que vous l'avez avec vos amis aussi? Non, oh. mes amis l'ombre Moi, je ne l'ai pas. Ah, ouais. Ma gang de filles, ils sont toutes chers, mais c'est un peu intrusif, je trouve. <laughs> ben, je sais pas, moi, je l'ai avec Lise avec Carl, euh, puis mm -hmm. je regarde jamais leur localisation, mais je ouais. sais que je les ai. Fait que, mettons, on elle s'en va en voyage, puis souvent, elle partait toute seule avant. Ouais. Fait que, là, je pouvais savoir où elle était, puis si je, elle me répondait pas, là, je savais où était, puis je pouvais. Mmh, parler la police, mais c'est quand même. Là. Mais mmh. j'ai pas tendance à regarder les localisations euh, du monde, mais je trouve ça le fun de savoir quand même. Puis je trouve que c'est une délicate attention de savoir que les gens veulent veulent savoir où ce que t'es. Ouais, moi aussi, euh, on le <laughs> en fera. Fait, La ben Saint fou. Valentin s'en vient, ça euh, va être ça ton le Quelle bonne idée. non, mais moi je me rappelle quand, en, en tout cas, là, on va passer à, on parle souvent, on ah, de nous. Correct, oui. Mais oui, moi mais je, mais je me là. rappelle que aussi une grosse preuve d'amour, tu sais, ça a été, eh oui, une demande en mariage, un animal, mais une des plus grosses preuves d'amour pour moi. Un, ouais, trois, des animaux. trois animaux ça. Quatre, on s'en va sur un quatrième on en parlera. on pense adopter un chien saucisse ouais, ou un, pour un ben moi moi j'aimerais <laughs> j'aimerais un corgi non non oui le chien saucisse euh, oui. Oui. mais mais juste une des grosses preuves d'amour aussi c'est quand on euh, publie qu'on est en couple officiellement genre une photo ouais euh, hum. saucisse c'est c'est de démontrer tu sais mettons Démontrer au monde que t'es en couple, t'es pas ouais. t'es pas available. available. Je comprends. Es pas, uh, es t'es pas disponible, c'est ça. Comment tes photos, j'imagine aussi que tu dois mettre ça quand tu commentes tes photos. Oui. Je mets des... tout le temps des aubergines. Ah, je <laughs> sais. sais. C'est de là que ça vient. Oui, les aubergines. C'est pas en sur... texto, Mais... c'est tes photos. C sur mes photos. Mais euh, je trouve ça important aussi quand t'es en couple. Tu sais, c'est parce que... Tu sais, un gars qui cherche jamais, qui met jamais qui publie jamais des photos avec sa blonde ouais. t'as tu de quoi cacher genre pourquoi tu je comprends ça, on y en parle beaucoup sur TikTok là moi je vois beaucoup ça passer dans mon algorithme je comprends pense quoi? mais je sais pas si c'est une affaire de personne insécure tu sais ça parce que moi je sais pour ma part ça me sécurise de savoir que ma blonde serait poste une photo à, à, avec moi, mettons, okay. ou comment commente. En ce moment, ça me sécurise. Même si j'ai pas de doute sur elle puis sur son amour pour moi, reste que ça me sécurise. Ça me fait du bien de, ouais. de, de savoir que qu'elle est, qu'elle que game de pas game, mais qu'elle qu aime me montrer aux mm -hmm. gens. Tu sais, ça me fait du bien aussi, bon pour mon estime aussi, ma confiance en moi. Ouais, ouais. Mais je me demande si j'avais 100 confiance en moi, est-ce que je m'en crisserais pas plus, tu sais. Hmm. C'est vrai. Fait que je pense que si je, ça, si je me mets à, à, à 100%, ça me dérangerait pas. Je sais que ma blonde aime, moi je sais que je l'aime, je n'ai pas besoin que le monde soit au courant. Tu sais. ouais, Sauf vrai. que là, avoir ce besoin-là, que le monde soit au courant, c'est une preuve pour moi, je, en m'analysant, mettons, en faisant un petit peu d'introspection, que ça prouve que j'ai moins confiance en moi. tu sais. C'est vrai. Je Comment ils faisaient pour vivre les gens dans les années mais 90? Mais ça, non, non, mais c'est vrai. Mettons, mais les, les durait hein, plus oui, longtemps. Pourquoi ouais. tu penses? Il n'y avait pas Instagram. Ça, la ben là, il y avait des, du, des, de l'adultère quand même, C'était juste comme. Oui, mais ouais, je comprends. Mais dans le sens qu'il n'y avait pas besoin de, de poser une photo ensemble non. avec leur, euh, non, devant leur ça. botte de foin, sais On envoyait des cartes de Noël. <laughs> des bonnes vieilles cartes oh, oui, de Noël. Oui, exact. La technique à exact. <laughs> ouais. non, Puis tu dessinais une petite aubergine à la fin, là. <rire> <rire> oui, je pense pas que l'aubergine ne voulait rien dire des années 90. C'est juste une preuve de ce qui est récolté. Mais pas les années 90, mais en 1890 ouais. maintenant. <laughs> encore encore aujourd'hui. <laughs> ça pousse sous les aubergines. Ça pousse dans, dans un, un arbre. Des... Puis euh, dans En fait, c'est ouais, un plant hermaphrodite. C'est une des rares espèces euh, donc, qui, mou, qui, 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 se ah. qui se pollinise par lui-même. Tu pas ah. besoin d'un plan mâle, un plan femelle. Il pourrait se faire avec un plan. C'est ouais. un... Euh, je pense ça? pas que l'aubergine est un cucurbitacée. Cucurbitacé. Non, cucurbitacé. on est dans les concombres et les melons, les cucurbitacées. Ouais. Hum, et les, euh, en fait, je me trompe. Est pas... Et les, euh, les courges, okay. les courges et les, les melons, c'est des cucurbitacées. Mais ça pousse dans un nac. Oui, mais ça, ça goûte. L'aubergine, ça goûte. On va checker. Supposément, même que tu peux voir l'aubergine mâle de l'aubergine femelle, elle aurait des graines, la femelle, à l'intérieur, ou le mâle. Amélie qui check là aussi. Oh boy, le monde, check. Est-ce que l'aubergine est dans cette Non, Non, sous l'anacée. Et voilà. Ah, bon. Et, 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 et j'aimerais rajouter qu'on dit solanasse. Solanas, c'est... Solanasse c'est parmigiana. <laughs> eh, OK, bon. Ah, j arrête, j arrête. Depuis, tu parles du parmigiana. T'en as, as fait deux quarts sur le parmigiana que tu fais? Ben, c'est le plat classique de l'aubergine. C'est ça que ah, c'est ouais. bon, ouais. ben, dégueulasse, l'aubergine, quand même. C'est pas si pire. <laughs> C'est parce que le monde. OK, tu sais pourquoi? Parce que les gens. De L'apprêtement. Exactement. Faut-tu faut se que tu dégorger l'aubergine? Ouais. L'aubergine, ah. il y a autant d'eau de dans une aubergine ou un aubergine, parce qu'il hein, est hermaphrodite. Oui, ah. euh, oui. Ouais. Donc, euh, les deux sont bons. Mais il faut-tu mettre du sel pour faire tout sortir l'eau, puis après, tu l'éponges, puis après, tu as juste le goût de l'aubergine. Puis euh, ah. moi, je faisais des pâtes avec de l'aubergine euh, au Mexique, sauce tomate, genre, puis ça goûtait un peu les olives. quasiment. OK. Ouais, c'est ah, bon, bon, euh, quelque chose que je hein. déteste aussi. Ah, c'est vrai, t'aimes bon. Olive capre, là, c'est vraiment. Coriandre, j'entendais oui, ta blonde crier plein d'affaires <laughs> quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais que je cuisine <laughs> eh ben Moi, je veux parler de ton podcast. Yes. Oui, Day, de, ben oui. Tu, ça faisait longtemps. <coughs> je pense depuis que tu me connais, qu'on se connaît, que tu voulais partir sur ce podcast-là. Elle ah, dit le plus fort, c'est Hate Louder parce que les gens qui. Il y, ouais. <laughs> y a eu un podcast qui, y a un podcast qui existe qui s'appelle Détestable avec un ouais. S. Ah, c'est vrai? Oui. Puis, au Québec. Euh, Chris qu'il y a ouf. des podcasts quand t'as de la misère à trouver un nom. Ah, ouais. autre, si, on, on sortait plein de noms pour Trip de bouffe. Ah, ouais. oh, il y en a déjà un! Ouais, ça, ah ouais, il euh, y en a un? Pas euh, euh, Trip de bouffe, non, ben, pas pas de bouffe ouf, mais plein ouais. de noms qu'on ah, okay, avait va, en tête. Ouais. Mais Ah, oh, je savais pas! Ben en fait, il y a comme un petit. Euh, C'est parce que moi, depuis 2018, je veux faire ouais, ce ça podcast. Fait podcast. Ça fait vraiment ouais. longtemps que je veux faire ça. Puis j'ai pas le goût de le faire. J'ai peur que ça ne marche pas. Puis Puis j'étais là, pourquoi je ferais ça? Pourquoi je me ferais ça? voir un échec. Dans mm -hmm. ma tête, c'était sûr c'était un échec. Mais j'aimais vraiment beaucoup l'idée. Tu sais, plus j'avais équi... écrit, j'avais écrit des genres de pitch, tout ça. Puis là, je me suis dit en ah, fait que je pourrais le faire euh, devant des gens mm -hmm. un peu parce que moi j'étais bien accro à sous écoute avant. On s'en parlait, on tout aimait temps. vraiment tu ça. Tôt, ça? Euh, oui, j'écoute encore, mais euh, j'ai moins le temps qu'avant. Mm -hmm. Puis j'écoute tellement de podcasts que on dirait qu'il faut que je choisisse mm -hmm. là. Puis euh, c'est ça, je suis plus un, comme un, un, dans une période de ma vie plus paranormale. J'ai okay. toujours été paranormale, mais là, j'écoute beaucoup de paranormales. J'écoute même des histoires. C'est plus un podcast français, c'est « Avant d'aller dormir ». Ok. Puis euh, c'est des histoires qui sont racontées. Un, euh, je ne me rappelle pas c'est quoi leur prénom. Mais euh, ils mais racontent vraiment juste ouais, des, des, ça, des, des histoires, mais ils sont tellement bien interprétés. Okay. Puis c'est toujours paranormal, puis j'adore ça. Okay. Fait, bref, ouais. euh, ça fait vraiment longtemps que je vais faire ce podcast-là. Puis là... J'avais comme scellé dans ma tête le nom. J'avais checké sur Instagram, sur YouTube, sur tout, voir si ça n'existait pas. C'est Félix Turcotte qui m'avait donné ce nom-là. Ah, mmh. euh... ouais, oh, oh, je qu'on le Ouais, Oui, il est vraiment drolles, fin. Ouais. Il est vraiment cool. Um... Fait il m'a donné le nom, j'étais comme sur mon magasin, je suis mon amour. Puis Depuis 2018, mmh. genre, je suis citée avec ce nom dans ma tête. Puis là, avant de le sortir avec le studio SF, j'avais checké. Euh, il y avait une coupe de mois, puis il n'y avait pas encore rien de ça. Et là, quand ça sort, je vois détestable avec un S qui écrit en dessous de mon, mon, mon ah, post non. de sortie de mon podcast qui écrit euh, ah c'est drôle genre d'où est-ce que ça vient ce nom-là <gasps> avec un petit hmm, peu suis genre ben voyons donc moi c'est l'affaire que j'ai plus checké genre ben oui. what the fuck fait que là je, je leur écris puis en leur écrivant je regarde dans leur euh, Instagram puis ça faisait juste comme six mois okay. qu'ils existait okay. tu sais fait que ça concordait avec le... Les, oui. les, que j'avais checké il y a une couple de mois, puis ça, il n'y en avait pas. T'sais. Fait que là, je leur ai répondu en disant, euh, regardez, j'ai posté déjà dans, ah. dans mon feed, j'avais posté comme des reels, qui s'appelaient détest, « Détestables », que je racontais des pires de mes abonnés. Puis, euh, wow, euh, good, good. Fait que je bon dis, regardez, j'avais déjà sorti le nom comme six mois encore avant que vous sortiez quelque chose. Puis, j'ai des documents chez moi qui prouvent que depuis 2018, c'est le nom de mon podcast, mais évidemment... Il ne pas le savoir. Là. Mais ça change rien au final. Ça change rien au final. Ouais. Non, non, pas en tout, mais c'est juste que je me sentais mal. Euh... Par rapport à elle. Oui, mmh. par rapport à elle aussi, mmh. parce que ces personnes-là, les autres, c'est pour elle, c'était comme Oh my god, c'est notre nom de podcast, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis euh... euh, c'est la même chose quand même. Mais pas la même chose. T'sais, ils parlent de dating, mais ils reçoivent pas des gens comme moi, mettons. C'est plus des questions euh, précises, des thématiques plus précises que moi. Mais mmh. je leur ai dit que j'allais les inviter pour okay. qu'on puisse. Mmh. Euh... Débattre là-dessus. Là. Peut-être pas de débattre, mais <laughs> parler du dating, j'aimerais vraiment ça parler avec des gens qui, qui en parlent aussi ouais. fréquemment. Ouais. Fait que, fait que c'est ça, puis euh, voilà. Fait qu De quoi je parlais? Non, mais je que... <laughs> tu savais pas l'affaire du nom. C'est qu'en fait, ça fait vraiment longtemps que tu veux faire oui, ça. Que... Oui, c'est vrai. Puis même, tu sais, couple ouvert aussi, font, euh... ouais, mais c'est vraiment différent. On en a parlé, ça aussi, de couple ouvert. Ah ouais? comme Qui c'est qui t'en entend? Bien, quand j'ai commencé <laughs> avec le studio SF, ils m'ont dit, qu'est-ce qui te distingue de, 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 de ouais. couple ouvert? Puis là, j'étais là, ben mon Dieu, juste le fait que ce soit moi. C'est déjà différent. C'est juste ça. Oui, puis couple ouvert, c'est à la fin du podcast, c'est comme un feature où on raconte des dates, ouais. tandis que toi, c'est comme... Non, puis c'est euh, même, c'est le monde qui leur envoie des, des dates. Euh, c'est ça. ça oui. C'est oui. pas la même ouais. chose, mais reste que, euh, mettons si un jour, j'ai envie de faire ça aussi, parce qu'en fait, c'était ça aussi que je voulais faire. Dans, dans mon pitch, c'était je veux lire des, des mm. dates de, de personnes enfin, qui oui. m'écrivent, de ma communauté. Puis euh, je vais le faire aussi ultimement, mais reste que... Thomas puis Stéphanie, ils ont leur façon d'animer, ouais. ils ont leur background, mm -hmm. ils ont leur personnalité, qu'on est vraiment différents, tu Fait que eux autres, ils vont animer à leur façon, puis ils vont avoir leurs opinions, puis je vais avoir mes opinions, puis selon mon vécu, tu sais, puis qui je suis. Ouais. Fait que peu importe que, tu sais, c'est pas la première fois que vous recevez qu'un podcast reçoit du monde, puis parle euh, pour écouter, tu sais, tous les podcasts d'humoristes, les podcasts de ben oui. qu'on rencontre juste pour jaser, les podcasts sur la grossophobie, sur ci, sur ça. C'est dans le sens, ça ça finit tout par se ressembler, ouais. mais l'affaire, ce qui change, c'est toujours la personne canine. C'est ça. Mais ben ben nous autres aussi, euh... on a eu le même problème avec Tom Hopstead parce qu'on voulait appeler notre podcast Couple ouvert ben ». Mais non, il hein? yes, <laughs> <laughs> non, mais même nous, en sortant de mon podcast, j'avais peur qu'ils pensent qu'on les copie, Thomas et Steph. Parce qu'on est un couple, je vois mais des podcasts de couple, tu sais, on fait trop, c'est pas un podcast du monde. Puis aussi, on avait peur, à Simon Delisle aussi, euh, qui avait les, ah, -tu, les Beaux beau, Dimanches. Ça. Ah, ouais. il a encore son podcast. Ouais, ouais, podcast. Il revient, là. Puis je pense qu'il tourne ici même. Oui, euh, mais il fait euh, pas ouais. la même chose. Mais moi, je veux pas qu'ils pensent qu'on le copie, mais tu sais, nous aussi, c'était ça souvent, qu'on se parlait. Hey, on va faire un, un podcast, on invite du monde, on cuisine pour eux. Mais tu sais, c'est quand même un, on, ré, on réinvente pas la ben roue non. personne. Parler du dating, c'est universel. C'est un thème universel. Exact. Que, ouais. Non, mais de toute façon, les, les sujets. Abord, la façon que vous abordez vos sujets, ça ne va jamais être la même ouais. façon qui, que les autres vont aborder leur sujets. Même ça. si c'est le même 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 podcast, mettons, là, que vous avez les mêmes invités, la même ligne directrice, ça sera même pas pareil ouais. à la fin parce que vous êtes différents. T'sais. Quoique, on a ah. fait beaucoup de podcasts de couple ces temps-ci. Ben c'est tout à le différent ben les questions finissent par se ressembler beaucoup ben moi je me rends pas compte ouais. que je radote. Fait que je l'impression que j'arrive tranquillement j'ai l'impression qu'on répète beaucoup les mêmes histoires c'est ça le c'est qui est tough c'est ça qui est tough ouais. ouais. c'est comme là je suis dans une grosse stretch là, de podcasts j'ai beaucoup de podcasts dernièrement mais j'adore ça on est pareil es on aussi. parle non-stop tu es euh, très bonne dans ce que tu... ben mon dieu merci prochain podcast moi je vais mentir moi inventer des histoires non mais, mais Vanessa, je, je l'écoute full ton podcast même que Aujourd'hui, oui, même qu'aujourd'hui ou hier, j'ai sélectionné ton podcast avant sous écoute Ah! Parce qu'ils sortent en même temps, en fond, le je lundi. Sais pas. Ah oui, le lundi, ouais. oui. Fait que, ah, ouais. Mais en même temps, j'étais là, OK, Vanessa, tu sais c'est plus court, en tout cas. <laughs> plus court, mon travail. court après, ouais, ouais c'est ça. Mais euh, non, non, euh, c'est très bon, très, très bon. Ben, merci. C'est une très bonne euh, ben, je me, je, Ça fait juste huit épisodes qu'on qu sort, là, fait que... J'en ai encore 7 en banque. Puis après ça, je pense que la formule ne changera pas, sauf que je m'adapte parce que c'est moi qui fais mon montage. Okay. Fait que je m'écoute. c'est quelque chose que je trouve ça dur parce que après ça, je me dis Ah, oh my God, j'ai du 100% 4-5 fois dans mon podcast, puis c'est tout moche. <laughs> tu sais, des fois, je répondais 100%, mais ben oui, 100% ah ouais. 100 <laughs> Puis là, j'étais là, oh my god, on l'écoute, tu sais, sur le moment, tu le vis. Fait que ouais. tu, tu, tu le remarques pas. Puis quand tu l'écoutes, t'es là, oh my god, j'ai pas de vocabulaire, c'est quoi ça? Oh my ouais. god, on dirait que j'articule je, que je, que pas. Oh my god, je suis pas volubile. Oh my god, ai je punch pas. Oh my god, j'ai l'air d'une vieille m'attente. Puis là, ouais. après ça, à l'autre podcast d'après, je suis comme, oh my god, il faut que je punch parce qu'il y a une fois, j'étais vraiment pas drôle. Oh my god, il faut que ci, si, il faut que ça. <laughs> Puis là, ça reste que ça, 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 me, ça me hante, tu sais. Fait est que est-ce que je suis moins naturelle? Après, parce que je fais juste penser à ça ou je m'améliore, ça va être à voir dans les je prochains pense, podcasts. Ben moi, je pense qu'il y a une espèce de procédé d'amélioration là-dedans. Je suis surpris que tu dises ça. Mmh. Tu sais Comme tu disais que ça t'a pris des années de le faire parce que ouais. tu te faisais pas confiance. T'es es chanteuse. S'il y a bien une place, il me ouais. semble que tu te mets à nu. Tu étais à la Star Academy. Ouais. Ça, c'est fou. là. Ça, me semble, c'est se mettre out there pour vrai. Je n'étais pas consciente, je pense. J'avais 19 ans. Tu sais, je n'étais pas consciente de ça. Moi, à l'époque, j'étais genre, ah, oh, chante bien. Mmh. Ma mère veut que le monde sache que je chante bien. C'est elle qui m'a inscrit. <laughs> j vrai euh, mais j'aimais ça, ça chanter, mais c'était comme pas une ambition de devenir mmh. chanteuse. Tu l'es mmh. toujours pas d'ailleurs. Non. Puis. Puis. Euh, Pourtant, t'as quand même fait euh, après ça. T'as fait euh, comédie en fait. musicale. Ouais, comédie musicale. Euh, mais ça, c'est pas la même chose. Puis the, voice, vrai, ouais. France, hein? the, the Voice, c'est vrai en France. The, the Voice. The Voice. Euh, ben, c'est ça. C'est ma mère qui m'a inscrit à cette académie. Puis après ça, j'ai comme j'ai moyennement tripé sur euh, l'expérience. Euh, puis après ça, les comédies musicales, ce, ce que j'aimais, c'est les trips de gang. Mmh. Moi, je suis une fille de gang. Ouais. J'aime ça faire des projets en gang. J'aime ça qu'on ait toute la même motivation, tu sais. Moi, j'ai mille idées de projets, mais j'ai personne qui suit, tu sais. Ouais. Je suis comme, hey, pourquoi on fait pas ça Ça serait vraiment nice. Ah ouais, l'idée vraiment bonne. ok, parfait. Meeting la semaine prochaine. Moi, on est comme, ah, j'sais de quoi. Ah, je <laughs> peux pas. Ah ouais, mais crème, tu veux tu faire un projet Tu peux pas faire de projet. Je suis mmh. toujours par le faire tout seul, puis je suis en crise, tu sais. C'est mieux ça des fois, en même temps. Ouais, mais ça aboutit jamais parce que moi, ouais. j'ai trop d'idées, puis pas assez de temps. Non, je comprends. Fait que, que j'aime ça tant. Puis juste le fait d'avoir une motivation de groupe, c'est tellement ouais. le fun de dire comme, OK, là, on se réunit pour on brainstorm mmh. quelque chose. Moi, ouais. c'est mon rêve, d'avoir plein d'amis qui disent, on brainstorm quelque chose, là. Moi, je suis H donc <laughs> j'ai beaucoup d'idées. <laughs> <'idées>, ah oui. <laughs> <d> Créativité. <laughs> um, c'est ça. Fait que, pis je danse à oublier où est-ce que je m'en allais. Fait que ouais. Fait que Star Academy. <laughs> euh, mais il y, y a un phénomène de groupe là aussi, je pense. Que vous habitez tous la même maison. Oui, vous êtes en compétition. Mais moi, je suis pas ça. compétitive. Ouais. Mais maintenant, plus, mais avant, je l'étais pas. À t'sais. 19 avant, tu l'es moins aussi. T es ouais. plus dans les si j'imagine. Exact. Hein? Ouais. Jusqu'à ce qu'on me dise, à un moment donné euh... <laughs> C'était comme En tout cas, Vanessa accroche-toi parce qu'en en fin de semaine, c'est pas moi qui passe, c'est toi. Ça, là, je plus, suis genre, ah. C'était qui? <laughs> non, tu veux pas le dire. Je le dirai pas. pas, mais c'est <laughs> le mythe. Légérim... Je casse pas le mythe pour ma mère, ah, là. Oui, Je vais le dire, c'est Karine Labelle <t 'as rire> qui m'avait dit ça. Okay. Mais on est devenus fucking amis après, okay. tu sais. Okay. Puis pendant, okay. on était amis, mais elle, parce qu'elle sort, elle a pas de filtre. Fait qu'elle dit tout de suite. Fait qu'elle dit, genre, en tout cas, moi, Vanessa, pas moi que pas en fin de semaine. Fait que, tu sais, fais attention. Oh, wow, mais correct, une, ouais même temps, c'est C'est la compétition. Oui. Je vais pas commencer à le dire 100 yeah! <laughs> Puis, euh, c'est ça. Fait que, t'sais, elle m'avait dit ça sur le moment, mais j'étais là, oh, my God, ça veut dire qu'elle veut me renvoyer chez... une comme je me sentais rejetée, puis tout ça, puis là... Je... Je bandais pas non plus avec tout le monde. Mmh. Il y avait du monde plus vieux que moi. Fait, quasiment tout le monde était plus vieux que moi. Fait que je bandais pas avec beaucoup de monde. Puis je torchais le monde le soir. Puis là, je disais, la gang, on peut-tu arrêter, genre, de te laisser traîner? Oh on t'a rien demandé. <laughs> J'étais là, oh my God. <laughs> tu sais Fait qu'il y avait plein d'affaires que je me faisais pas assez je confiance. Faut-il que tu pas la vaisselle à cette académie? Ben oui. Je pense yeah. que oui, la vaisselle. Ah, ouais. Mais tu sais, comme... La toilette des gars était dégueulasse. Il y avait des Kleenex partout. Là. Moi, je ramassais des Kleenex. Des fois, on recevait des vedettes. Là. Puis le tapis en dessous de notre, euh, notre table mais... de cuisine était dégueulasse. Il y avait de la bouffe en dessous de la table. J'étais comme la gang. On reçoit genre... Vas-y. Non, mais moi, tu m'as eu à des gars séquestrés pendant huit semaines de temps il y a des Kleenex. Ben, C'était <laughs> qui? Vous aviez reçu là, que tu étais comme là, le, le tapis. On avait reçu gars. Jean Béliveau ça vous dit rien jambes vous <laughs> Ben moi, moi, moi je pense aux joueurs de hockey oui. là. Ah ok ah, ok oui. ouais. Ok on a versé, je sais puis... comme est un chanteur. Non non, non on avait la jambes niveau, puis moi je suis assise à côté de Stéphane Quintal puis là, je voyais que je m'entendais full bien avec lui je l'adorais là. Puis je, là. Mm. Puis, euh, je voyais qu'il y avait de la bouffe entre la table puis j'étais là oh my god voir qu'on n'a pas ramassé <laughs> que personne n'a pensé à ramasser genre le des chips en dessous mm. puis, ça me gênait fait qu'après ça j'ai fait non 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 faut ramasser tu sais c'est dégueulasse mm. <laughs> fait que euh, mais en même temps, tout le monde dit, ah, est, là c'est juste moi qui étais comme je sais pas pourquoi je cherchais des <laughs> débiles là. Puis euh, c'est ça fait que mon expérience était moyen, puis après ça quand je suis sortie, j'ai fait des comédies musicales, ça que j'adorais parce qu'il y a pas de compétition, puis il y avait un sentiment qu'on monte un ouais. projet ensemble, mm -hmm. puis il euh, y a un but, puis euh, puis souvent quand je tenais le personnage principaux, ben je prenais C'est pas le bon mot, là, je voulais dire pas le lead, c'est pas ça, c'est pas le bon mot, mais j'avais tendance à vouloir, à être sûr. Je veux toujours être sûr que tout le monde soit bien, tu sais. Oui, c'est vrai. vrai. Puis c'est après qu'on m'a dit, bien, c'est ça. Quand t'es rôle principal, c'est comme souvent ça qui arrive, tu sais. T'es le capitaine. Oui. Ouais. Même si tu veux pas, c'est le, le capitaine parce que ça dépend de toi mm. après ça, parce que si tu tu files pas bien, ben ça se peut que ça entraîne euh, des, des, des une mauvaise, mettons, soirée pour tout le monde, tu sais. C'est vrai. <coughs> fait que euh, je l'ai super après mais c'est ce moment j'étais comme pourquoi j'ai ça sur mes épaules tu <laughs> le bonheur de tout le monde c'était lourd je voulais vraiment que tout le monde soit bien ta voix est tu correcte as tu dormi t'as tu si t'as -tu, -tu, tu ça puis moment donné, j'ai fait avec des croches là mais t'es un peu de même dans la vie ouais tu prends soin des gens que t'aimes là ouais mais j'aime ça mmh. j'aime ça ça me valorise je pense ben non mais aussi es, c'est c'est <laughs> comme une de tes que qualités aussi ça. là tu tes qualités je pense que je pense que mais toi aussi t'es de même Peut-être. Oui. <laughs> je sais pas, pas, moi, peut-être. Ouais. Ah oui, tu ouais. penses beaucoup... Euh... Ouais, ouais. Mais tu sais, parce que c'est ça, ça, ça remonte à... Je me demande, est-ce que c'est parce que... C'est rare, que tu parles pas, hein? Parce que je parle ah oui. plus que toi. C'est correct. <laughs> non, mais est je, tout parle... je pense qu'il te <laughs> bat, là, quand même. Yeah. Ah, Il <laughs> ah, <ouais, rire> plus que toi, ah, est-ce ouais. <laughs> mais <laughs> mais <laughs> <parce> que <laughs> je dois parler amnestique pour pas qu'il dise un mot, là. J'écoute, c'est le fun. Mais ouais, non, c'est ça, je te sens très... Ça, je voulais dire, c'est parce que je me sens comme... Est-ce que... Je fais plaisir, est-ce que je fais attention aux gens parce que je, je fais vraiment attention aux gens, parce que c'est mon intention, je veux qu'ils soient bien, ou je fais ça parce que ça me valorise? Mmh. Parce que ça me fait du bien de sentir qu'ils sont contents, puis que, tu j'ai comme. Ou tu veux avoir l'air d'une bonne personne Ah, oh, ça, je m'en crie. Mais moi, je peux Fasse comprendre ce que amis, tu veux dire. Sais, je peux comprendre veux, ce que ouais. tu veux dire. Maintenant, je ne veux pas avoir l'air d'une bonne personne, parce que profondément, je sais, juste pour avoir cette réflexion-là, je pense, ouais. parce que. Je suis, je pense être une j'espère être une bonne personne, ouais. tu sais. Mais c'est juste que des fois je pense trop, puis là, je me dis est-ce que c'est vraiment comment je fais pour savoir c'est quoi ma réelle intention Mais qu'est-ce que ben, Je pense de de façon <laughs> subconsciente C'est un peu des deux. Moi je dirais c'est ouais. plus du 80 20. Tu le fais parce que tu veux que les gens soient bien, puis il y a un petit 20 que c'est le fun. Tu sais moi, moi ouais. je, je dis ça parce que je me suis quand j'ai commencé à cuisiner une des raisons que j'ai vraiment aimé la cuisine comme métier, c'est que c'était valorisant. Tu faisais ah ouais. plaisir à des clients, puis ils te le disaient. Tu il y avait comme ouais. vraiment une réaction instantanée. Puis je me souviens, là, quand j'avais comme 15-16 ans, puis un serveur était venu dans la cuisine, il avait dit Hey, Bob, il y a un client, fait dire à table 32, la soupe à l'oignon mmh. était vraiment sa Puis je suis comme Oh, yeah ouais, ouais. valable, là, Ça te encore le même feeling quand quelqu'un dit que c'est bon ce que tu fais? moins qu'avant mais je pense qu'il y, y a une partie de moi qui aime ça quand le monde le dit mm. moi j'aime ça on aime ça recevoir à maison mais, sur nos familles puis puis moi j'adore se cuisiner euh, là, ah oui je vois toutes tous les plats qui, ah oui, qui tu fais non mais moment. aussi c'est comme tu sais je sais pas si tu fais ça avec ta blonde tu sais euh, admettons ton chum file pas fait que tu dis je vais aller ou ta blonde, je vais aller te porter euh, un verre <coughs> je vais aller y porter un verre ouais. file pas ou tu sais ce t'si... matin tu as eu un moment que tu filais pas je dis ah je vais me lever pour aller Genre, il donnait un petit câlin ou quelque chose. Puis, ben, tu sais, ces moments-là, tu sais, je le fais parce que je veux te donner de l'amour, parce que je t'aime, mais aussi, je veux que tu penses que je suis une bonne blonde. Tu sais, je veux oh, pas ouais. que tu penses que je m'en fous de toi, tu sais. C'est vrai. C'est souvent ça vrai. aussi, là. C'est vrai. Ça, je pense, ça, excuse Ben non, pas tout. Ben, c'est toi, l'invité. <laughs> mais, mais, ça fait <laughs> des non, belles mais... petites ouais. attentions, c'est ça qui fait que des couples fonctionnent. C'est vrai. Même temps, ouais, mais, ouais, mais des fois aussi, il y, de... y a trop d'anticipation, tu sais. Mm. Moi, je suis un peu là-dedans. Moi, je suis comme, OK, je sais que ma blonde va devoir partir, mettons, à midi et quart, puis qu'elle n'aura pas le temps de faire telle affaire, telle affaire. Je vais essayer de le faire. Quand, quand elle va venir, je sais qu'elle va vouloir faire ça. Fait que non, 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 je vais le préparer d'avance. Ou mettons qu'elle a un petit début de, de grippe, mettons. Plus, je vais je vais le préparer... Euh, tous ces euh, petits médicaments, genre, vitamines C. Là, demain, tu vas prendre la vitamine C, bébé, hein? Mmh. Tu vas prendre telle l'affaire tu vas faire ça. Bébé, t'as-tu pris de la vitamine C aujourd'hui? Tu tu pris... sais, c'est gossant, je sais pas, ça me meurt, tu sais. Mmh. Euh, mais en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, est-ce que j'aimerais ça? Peut-être qu'on j'aime peut-être la façon que j'aimerais être aimée aussi, ouais. mmh. Mais sais. Bon, on n'est pas de même pantoute Mettons, je suis fucking malade, je touche, touche, touche. Ça va faire comme, non, c'est correct, <laughs> Ça sera pas genre, <laughs> ça sera pas comme moi. Mais on s'aime pas de la même façon, tu sais. Mais, est mais on est tout aussi. courant. Exact. On est tout courant, mais il faut ouais. savoir ça. Ouais. Parce que quand tu, tu sais pas que la personne, a, a, a t'aime comme elle aimerait se faire aimer, tu penses qu'elle t'aime pas, t'sais. Ça, c'est vrai. Fait qu'il mm. faut savoir si c'est l'engagement de l'amour, je pense. Quoi que c'est très actuel, ça, parce qu'avant, on... moi, j'étais pas au non, courant pas de pas. ça, pas mm. en tout. Là, les... Oui. C est c est ça. En les types d'attachements, langage ouais. de l'amour, moi, c'est ça, j'étais pas pas en tout au courant de ça. Puis aujourd'hui, je trouve que ça fait bien du sens d'être au courant de ça. Puis je pense que c'est un... quasiment rendu... Ça devrait quasiment être un prérequis avant d'être avec quelqu'un. <laughs> Quand tu commences, tu es comme, ouais. « moi, j'aime ça me faire rendre des services, me faire dire que je suis belle. » C'est ouais. ça que je veux. Mais par contre, si tu me... Si tu me touches moi ça me fait rien, c'est pas je le prends pas ouais. comme si c'était de l'amour, mm, ouais. tu sais. fait qu'il faut, faut qu'on le sache, j'ai l'impression. Mm. Mabla, on a vu des calendriers de l'avant. C'est tout. <rire> ouais. ouais. <rire> moi, les cadeaux, ça, je trouve que ça fait full superficiel. Le mais café moi, les... le matin. Mais mmh. des <laughs> act of services. Oui, mais genre, pas tant que ça. Mettons, okay. tu changes mon pneu, je ne vais pas prendre ça comme de l'amour. Mais tu sais, mettons... Non, c'est moi qui s'occupe des changements d'huile, puis je ne ressens absolument rien. <rire> <rire> oh, non, <laughs> mais tu me rends beaucoup, 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 beaucoup de services, mais je vois pas ça comme de l'amour nécessairement. Ah, ouais. moi, oui. moi, oui. Mais moi, c'est des cadeaux. Moi, c'est genre, il m'a amené des fleurs tantôt. Ça, c'est comme, OK, tu as pensé à moi, tu veux vraiment me faire plaisir. Mais moi, c'est ça je filais pas. Ouais, je filais pas à monter acheter SPM. Mais toi, c'est quoi toi et ta table blanche ben moi, c'est vraiment les services. J'aime ouais. vraiment ça, j'aime pas devoir demander, moi je demande pas. J'aime pas ça. Okay. Juste demander pour, aux invités de venir à mon podcast, ça me prend tout. Ah ouais? Ouais, ouais, j'aime pas ça demander. J'aime ça quand ça vient naturellement, parce que moi, je suis quelqu'un de naturel. Mm. Fait que moi, quand ça vient naturellement, je suis à l'aise. Mais c'est tough parce que le monde s'invite pas moi, Mais non, c'est ça. <laughs> mais non, je, je sais bien, ouais. mais dans le sens que demander, ça me, ouais. ça me prend tout mon petit de je comprends. Mais je commence à devenir meilleure, mm -hmm. de fois en fois. Mais à chaque fois que quelqu'un part de mon podcast, je suis comme, hey, je t'en dois une, je t'en dois vraiment une. Là. Je sais que toi, tu t'es déplacé, que tu as fait ci, que as fait ça, je t'en dois vraiment une. Mais La prochaine fois que as besoin de quoi? 100 Ouais. mais il faut juste comme c'est pas tout le monde qui te dit j'en ai fait des podcasts ouais. là le monde est comme le monde est juste comme c'est normal que tu viennes à mon podcast okay. là ah. puis je comment non c'est pas, pas normal que je vienne c'est pas normal que tu viennes c'est pas normal que tu sois venu à mon podcast c'est comme je sais pas que les gens sachent mais j'ai pas été invité non mais tu... je l'ai dit en <laughs> plus quand tu m'as écrit quand tu m'as écrit j'allais t'écrire ah oui. lundi puis je me suis dit je vais pas l'écrire parce que je vais y dire en vrai quand je vais venir ce soir j'aimerais mais... bien que tu viennes, mais pas avec Victoria parce que Victoria veut pas savoir <laughs> tes histoires de date mais j'essaie tout en même temps là. non vrai. je veux pas aller compter mes histoires de date devant toi après <laughs> ça ça te poser, tu je même pas. Non, <laughs> non mais c'est vrai que c'est rendu un peu ça de l'échange de, de podcasts, de services. Ouais, ouais mais tu sais, je pense que c'est important de garder une reconnaissance, ouais, tu sais, parce que les gens ne te doivent rien. Puis, tu sais, il y, y a des... Même des gens, je me rappelle des podcasts que j'ai faits dans le passé que, qui disaient, peux-tu publier, peux-tu partager, oh, peux-tu cross-post, <laughs> peux-tu ça. Ouais. Tu sais, ça ne me dérange pas, à quelque part, de, 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 de t'aider mais il n'y a jamais de retour d'ascenseur mais on fait pas quelque chose nécessairement pour avoir un je fais pas Mon quelque fait. chose pour avoir un retour sauf que je le sens quand c'est pas genuine tu mmh. ouais. j'aime pas ça quand c'est pas genuine parce que j'ose espérer que la plupart du temps je le suis puis mmh. on dirait que c'est Lisandre qui m'a appris ça en plus moi j'ai trop d'attentes envers les gens mmh. parce que moi je sais que je le ferai mmh. fait que là je m'attends à ce que les gens le fassent je suis comme moi je le ferai pourquoi tu le ferais pas puis euh, maintenant j'essaie de, de, de... Lord, baisser mes attentes. Ouais, vraiment, ouais. Je me dis, cette personne-là ne me doit rien. Mais cette personne-là, elle n'a pas besoin de faire ça. Mm. Puis, puis moi, après ça, à l'inverse, ça me permet de m'enlever de, de la pression sur mes épaules parce que je me dis OK, ben, je ne suis pas obligée non plus d'abord. Mm. Parce que je me disais, je dis, oh, suis obligée de faire ça, il faut que je fasse ça. Je ne veux pas qu'il ait de peine, je ne veux pas si je veux pas ça. Puis, même, euh, long, je me même. rappelle d'une compagnie que je nommerai pas, <laughs> mais il m'avait envoyé des vêtements. J'avais fait un. Euh, puis c'était une nouvelle compagnie, puis je me suis dit, je veux montrer qu'ils sont inclusifs, tu sais. Fait que je vais faire un post avec leur nouveaux vêtements. Fait que j'ai fait un post, j'ai fait un setup avec ma blonde qui me lançait des affaires. En tout cas, ça avait rapport avec le, le, le concept. Là, elle me lançait des trucs, puis j'avais fait ça cute, tu sais. M'étais mis belle, puis elle prend des photos, puis j'édite mes photos, je poste mes photos. La compagnie, elle a reposté ma photo, mais elle a juste crop. Genre, ma photo, elle n'a pas mis mon nom, elle ne m'a pas tagué. Puis c'est des influenceurs connus, tu sais. Euh, ok, c'était pas quelqu'un qui savait pas comment gérer ça. Ils sont connus, ouais. là. Euh, fait, puis ils m'ont jamais tagué. Puis ils ont même pas repost avec on, que tu peux cliquer pour voir sur qui, là. Ah non, ils ont juste poche, pris un screenshot. Ouais. Ouais. Puis ils l'ont posté. Puis j'étais là, oh my god. <laughs> Mes des hosties de vêtements de Ben, Après ça, j'ai plus jamais répondu à leur euh, demande d'envoi. Ben j'ai plus fait de post. Puis j'ai fait comme. Tu sais, c'est pas grave. C'est vraiment une affaire d'influenceur, là. Euh, mm. Mais c'est juste comme. Il y a un certain, un certain décorum. Il y a une étiquette, oui. étiquette. C'est ça, il y a un petit code ben, oui. à respecter quand Absolument. même, là, je pense. Ouais. j'ai trouvé ça. Je l'ai pris comme personnel. J'ai fait Oh, ma gosse, c'est parce qu'ils ont honte que je porte leurs vêtements. C'est parce qu'ils ne sont ouais. pas contents. Euh, je me suis posé pas une question à ce moment-là. C'est pas parce que je voulais avoir des abonnés. Là, ça me dérange. m'en foutais là-dessus. Si j'en voulais plus d'abonnés, je travaillerais vraiment plus sur mon Instagram dans le sens que c'est pas quelque chose que. Non, non, mais non, c'est ça. Mais. Euh, mais je suis contente de les avoir, bien entendu, là, mais euh, <laughs> on va être reconnaissant de ce qu'on a quand ouais. même. Là. Fait que euh, c'est ça. puis tout pour finir, euh, podcast. Euh, non, mais tu reconnais les <laughs> ah, actes de services. Exact, hein, les, les, les services, quoi. voilà. Les changements d'huile. Les d'huile. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça, je n'aime pas demander. Fait que le fait que ma blonde, elle va me dire, « Ah, euh, oh, demain, tu as rendez-vous à telle heure, moi, de faire ton lunch. » Je ne dis pas que je veux qu'elle fasse mon lunch tout le temps, mais c'est juste qu'une attention. J'aime ouais. vraiment ça. Ouais. Oh, je suis allé magasiner, euh, j'ai pensé à toi. Sais, parce que moi, je me rappelle des affaires. Mettons que tu vas me dire, euh, oh, je sais pas, moi, j'ai cherché un chandail qui a un chien saucisse dessus, puis euh, je ne l'ai pas trouvé. Mm. Trois mois plus tard, si je le vois, je te l'acheter le chandail. Ouais. Je te l'amener, tu sais parce que je, je me rappelle, je sais pas pourquoi ma, ma, ma mémoire est faite de ça même. Ça fait des semaines que je magasine des billets pour le Super Bowl, puis j'en trouve pas un. Ah! Ah! <laughs> Bien, I wish que j'en trouve ouais. pour toi. Elle m'a envoyé le lien. Ouais. Mais euh, non, c'est ça. Fait que, ça va-tu? C'est mon ongle. Excuse-moi. ça pas... C'est un gros problème. a de la misère avec ses ongles, c lui ces temps-ci. Ah. Est-ce que c'est tes vrais ongles? Non, non, c'est ça. Puis, check. Fait que ça pogne, pas... mais je ne veux pas <laughs> Faut que... Att... En tout cas, c'est vraiment Shit, mais t'as pas ça. Même ouais, moi, je suis impliqué ça, dans ça. la saga des ongles. Euh, ouais, c'est très dur de trouver quelqu'un pour faire des ongles. Ouais. Ah ouais? Ça, ça, je ouais. peux pas ouais. me déplacer loin, puis genre, ah, je veux je que ça soit à côté de chez nous, puis <laughs> rapide, puis pas cher. Faudrait que t'apprennes. Apprennes. Ouais, c'est ça. Ça, tu pourrais te le faire. Ouais. Ou que t'apprennes. Ouais. <laughs> mais en tout cas, on avait pensé oui. encore, on change deux TDAH avec moi aujourd'hui. TDAH? Oui. Non, ben, pas, pas, di pas diagnostiqué. Mais oui. Moi non plus, je suis pas diagnostiqué. Ah. Mais moi, je suis comme ça depuis j'ai 5 ans. Ah, moi c'est devenu à la mode. Plus ouais. oui. je suis comme, je peux plus dire que je suis TDAH parce que tout le monde va dire que je m'invente des affaires. Ben, c'est ça. Mais non. Je okay. euh, souffre oh, de douance. Mais non, <laughs> commence. pas. Tu Moi, je mais souffre. des fois de ça doigt. peut être, une, être trop intelligent ah. des fois là. Ah c'est euh, dur, c'est dur. Pas à tous les matins se lever et être plus intelligent que la veille. C'est pas évident. je t'en passe un papier. <rire> <rire> hey, euh, tu voulais-tu aller faire. Euh... Oui, je pense que les enfin, de de de, manger. De, oui, puis ben, pendant ben, que je fais ça, ça ta envie de servir du vin? ouais puis là je okay. veux dire on parle souvent du barbecue à Bob le chef ouais. euh, sans l'autre bouteille par exemple on va le montrer à la foule le barbecue le à Bob le chef ben le, le premier projet ah. c'était bout en train il ah ouais. en reste encore dans les épiceries, ouais. fait que vous pouvez encore vous en procurer très bon le pinot noir d'ailleurs on n'a pas ce cépage t'aimes tout. Le... Okay. tout parle moi de ça mon genre de femme qui risque qu'on va bien s'entendre Puis là ben euh... <laughs> Il y a le barbecue à Bob, le chef aussi. Disponible dans toutes les épiceries nice. dépanneurs du Québec, un vin fait de la bonne façon, c'est-à-dire c'est pas un assemblage, c'est tout fait sur le même vignoble. C'est ah, très bon, c'est okay. abordable. Puis ben, on va voir le pinot noir boutant en train qui est le OG, le, un des premiers cépages qu'on a yeah. sorti. Puis ben, je vais aller euh, nous cuisiner un petit plat pour aller avec ça. Yes. Donc, euh, yeah. Vanessa, yeah, ça. quand je t'ai appelée, t'étais <laughs> au volant. En fait, quand on s'est parlé ouais. pour le plat, t'étais au volant avec ta blonde. Ta blonde criait plein d'affaires que t'aimes pas. Ouais. Euh, <laughs> ce que j'ai retenu c'est euh, Tofu et Général Tao oui. qui est un classique oui. hein? euh, pas, pas un classique de moi, on va le dire un de nos invités cette année qu'on a Ricardo reçu quoi? Ricardo, c'est la recette, ouais. une des recettes les plus populaires de son site ah, web. Ouais. il a mis oui. le tofu Général eh, Tao ça et les crêpes la lasagne là aussi non la lasagne c'est moi, bref ouais. <laughs> Mais là, moi, moi j'ai une recette de tofu général Tao sur mon site, mais je voulais la, la « switch it up » un peu, c'est tout le temps le fun d'avoir des nouvelles recettes. Oui, toutes oui, les recettes avancement. à notre podca podcast sont disponibles sur mon site boblechef.com. Et cette recette, c'est un mash-up okay. de une de mes affaires préférées, qui est du tofu général Tao. Et la seule façon que mon fils mange du tofu, c'est-à-dire pané avec des « frosted flakes ah. ». Fait que t'as du tofu... Euh, pané au Frosted Flakes. J'ai fait de la sauce générale Tao à part. Euh, c'est cuit au faux, c'est bon. pas frit non plus. Donc, euh, je roule chaque cube de tofu dans la farine, dans l'œuf, dans un mélange je de Frosted Flakes. Ben, oui, oui, oui. vas-y. De Frosted Flakes écrasé. Je cuis ça au faux. Euh, sur une plaque au four 375 pendant à peu près 15 20 minutes. Bon? Puis euh, ah bon. quand ça commence à être doré je le retire, tu saxe un poêlon, mmh. tu mets la sauce, la sauce caramélise, ça l'enrobe, ça, ça, ça vient vraiment à mmh. enrober là, napper les morceaux de tofu avec un petit riz au jasmin. Ça c'est un repas là, tu peux préparer à la sauce la veille, puis ça se bon fait en, en ça se fait en moins d'une demi-heure. Je pensais que ça allait être crunchy par exemple. Ben non, parce hum. que là, il y, y a comme cuit dans la sauce ouais, un vrai. peu. T'es déçu? Non. J'aurais pu le C'est fucking bon. bon. C'est vraiment bon parce que d'habitude, moi, le tofu, Mabon des Végés, fait qu'on mange du mm. euh, tofu pas mal chez nous. Mm -hmm. Puis, oh, je trouve ça tough d'assaisonner ça. Mm. Parce que, je sais pas je, je sais pas s'il faut attendre vraiment longtemps, je sais pas, mais on dirait que ça goûte toujours le tofu. Ouais. Mais il goûte pas. Ben, mais là, non. ça goûte pas. Je sais que le tofu, ça goûte à rien. Mais hier, ça, ça il prend... goûtait comme de la vodka. <laughs> ouais. Comme fait du poulet. Mais oui, mais ça prend un goût de n'importe quel stock. Mais comme euh, hier, t'en as fait du tofu, puis il goûtait plus ce tofu que ça. -là. Parce qu'il était pas pané. Ah. Oui, mmh. ça, là, il est pané. Fait que... Puis les Frosted Flakes a vraiment un côté euh, sucré, givré, comme dirait Tony le tigre. C'est tellement bon. <laughs> Merci, beaucoup! C'est notre <laughs> mascotte de Frosted ah, ouais, Flakes. Tu devrais. Euh, il, il a fait une recette de euh, poutine vegan, dans le fond. OK? Puis au lieu du fromage, c'est des gros morceaux de, morceaux de tofu saumuré. Ouais. On avait ah. fait une vidéo, en tout cas. Pis, oui, vrai. Ouais, sur ma chaîne. On fait une vidéo de cuisine ensemble. Puis euh, c'est vraiment bon. Ça, tu prêts avec ta blonde, là? Ouais. Saumuré. Ça, c'est pas du sel? Wow. Ouais. un ben, ce mélange là, je fais euh, je me souviens pas exactement c'est quoi le mélange. Je suis pas gauchère, désolé. Mélange <laughs> d'eau, de sel, de sucre, je pense il y a de la sauce soya là-dedans. Tu le mets dedans, ça ouais. goûte vraiment un peu le fromage à poutine, ça fait même squick squick. Ah? Ouais. Ouais. Go... Moi je trouve pas nécessairement que ça remplace le fromage, mais c'est vraiment bon, ça, on retrouve ça sur ta oh, chaîne YouTube. T'es critique. Euh, ouais, c'est vrai, un je petit peu, euh, ouais. Ah. <laughs> ça. Ouais. fait mal. by the way, là. Ouais, et... <laughs> ouais. <laughs> ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que, qui t'a fait que t'as fait déjà. Ah, euh, c'est pas bon partout tout. Oui. <laughs> une fois, t'avais fait de la soupe et t'avais mis trop d'épices dedans. Ouais, c'est vrai. J'en parle tout le temps. Mais on était dans un chalet, genre, pis t'avais fait ça. En euh... même temps, j'ai conquis ton cœur avec, avec la une soupe aussi. Mmh. Mais c'était genre parce que. Mon ex, maintenant, je ne vais pas comparer, mais mon ex, il cuisinait pas du tout. Okay. On... Oui, c'est ça. Pis, euh, <laughs> fait il était comme pas capable de se débrouiller mettons, avec. Puis, tu quand tu n'apprends pas à cuisiner, tu as des ingrédients devant toi, tu peux pas vraiment improviser de quoi quand tu sais pas cuisiner. Puis, nos chaînes, il y a J'suis... plein de monde de même. Là. Moi fait que moi aussi là pis... mais toi t as, t as... on était dans un chalet on avait acheté juste des ingrédients pour quelques repas mais là on avait faim comme dans le jour puis te dire oh, je vais prendre... je vais faire une soupe puis il a pris comme plein d'ingrédients puis il a fait une soupe puis ça m'a comme vraiment impressionné ouais à moi je mon, mon... Ça, ah, tu peux manger tu peux pas parler à la bouche pleine ouais. c est, c est... Ouais. Ta mère n'écoute je... pas le podcast. Non, hein, non, es. ça, de toute <laughs> façon, ça ne pas. Elle, elle, elle voulait ça dérangeait pas ça, c'était plus chanter à table. Ça ne l'a Ah ouais? Si je chantonnais à table, elle était comme on mange. Ah, ça Mais manger, cracher, on ne me dit rien. Mais si j'ouvrais, quand je pas, je recommence. Quand j'ouvre mm -hmm. mon euh, garde-manger, ouais. il peut y avoir 1000 ingrédients. Si en dedans de deux secondes je peux pas faire d'association, il n'y a rien à manger. <laughs> J'ouvre, puis je suis comme, du riz, du maïs. L'autre ouais. fois, la semaine passée, ma blonde n'était pas là. J'ai ouvert, j'ai pris un, un minute rice, tu sais que tu mets au, au micro-ondes, ouais. une minute, là, mais dans un, déjà dans un pot. Là. Ouais. Fait comme ça. J'ai mis ça avec une canne de maïs, puis j'ai fait chauffer dans le air fryer six petites croquettes euh, Impossible le poulet ouais. là, avec du ketchup. Mais c'est bien correct. C'est correct. Moi aussi, je bouffe de la même, aussi. par exemple. Ouais. Tu c'est... Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, moi je ne suis pas un snob de bouffe. Tu sais, quand, quand je mange au restaurant... Je paye un certain prix, je m'attends à quelque chose. Est-ce que, est que ch tu te dis que c'était pas bon? Je chialle maintenant. jamais. Jamais ah, que je, pas? Oh, non, mais je On va se le dire, on va se regarder. Ouais, je laisse même un bon type. Je suis rendu là. là ouais, ouais. Mais, euh, mais en même temps, je mange dans une. Autant qu'il y a 10 000 restaurants à Montréal, je mange d'une poignée de restaurants. Mm. Moi, je dis, je ne mange pas de tartare Pourquoi? si je ne connais pas le chef. Ah. Moi, j'aime mm. ça, ça, ça qui, qui est dans la cuisine. Si je fais confiance. Tu sais, je sais que la, la viande... il faut faire attention. Il y a un gars qui est mort, tu te dis, ouais, là. Oui, dans, dans un, un resto de tartare. Un resto de tartare, en ici à Montréal. Donc, ouais, le, là, le gars, il est décédé. Parce que le, 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 la, la viande était coupée trop à l'avance. Ça a été mal daté. Pas de bonne rotation dans le frigo. Ça. Fait il faut faire ouais, attention. J'étais pas là. Je sais ouais. pas exactement la raison. Là. Euh, envoyez vos mises en demeure à Victoria Charlton. Mais non, T'es habituée. Oui, oui. c'est faut faire attention, quand même. Non, mais... C'est ça. Tu sais, quand tu connais le chef, tu sais qu'il est bon ben tu peux inviter ouais. euh, comme c'est notre invité ouais, ouais. <laughs> mais non moi ça moi j'aime ça c'est quoi T'as-tu goût oui, c'est ça, ça notre truc ouais. ah ouais On dire mais non trop pas mais moi ça me dérangerait non, en non, pas ouais, au contraire j'aime ça qu'on bounce qu'est-ce que dire d'ailleurs mais euh, j'allais dire que ma blonde la semaine passante, elle allait manger au restaurant italien puis elle euh, a voulu avoir le saumon fait que là elle demande à la serveuse est-ce que tu me recommandes le saumon serveuse dit il euh, Ben y a vraiment pas de monde qui prend le saumon. Euh, c'est un restaurant italien, c'est plus nos pâtes, nos pizzas. T'sais. Fait que là, blonde est comme Je vais prendre le saumon. <laughs> fait que là je dis Hey bébé, ça sonne pas frais quand elle dit que personne ne prend le saumon <laughs> Fait que là, elle dit ben non, voyons, c'est un restaurant, ça va pas arriver qu'il ne sera pas bon, tu sais. mange le saumon. On devait aller jouer au bowling après elle fait hey, finalement, je pense qu'on va devoir rentrer à la maison oh Fait God. que là, on s'en va à la maison une semaine. Malade. Elle a vomi, évidemment, tout ce qui sortait mmh. là. Ça sortait de partout. Puis, euh, genre, fièvre, grosse intoxication alimentaire, là, tellement que, que tu allais faire des prises de sang puis tout pour être sûr qu'il n'y mmh. a rien de. Elle n'était pas scène, non, <laughs> ben, le pire, c'est que quand elle <laughs> est voir le médecin, ils, ils ont fait. Tu sais, il ne pas qu'elle qu est lesbienne. Là. Mmh. Fait qu'ils l'ont fait euh, faire les tests de grossesse, puis quand elle est allée au CLST à Diane elle... <laughs> je suis lesbienne, nous. Ah ouais? un peu. Euh, Parce que ça, ça, ça t'aurait. Il y a un souci qui a refait de ça. Ben, hein? c'est ça, <laughs> ça j'ai dit, je dis, fais les, fais-les donc voir. <laughs> fais-les donc voir, on sait jamais, tu sais. Parce qu'elle est plus jalouse, puis elle on ne on sait jamais. Non, mais écoute, tu sais, c'est ça. Il y a du monde qui font chez Nichols, puis qui prennent une brochette de poulet, puis. Euh... Tu sais, il faut que choisir ses combats. C'est pas The Place, là, tu sais, pour ouais, ça. c'est ça, ça. Ben, c'est ça, tu sais, tu vas un restaurant, juste, puis il y a un saumon, il n'y a pas d'autre plat, à part pâtes pizza. Un saumon. <laughs> puis tu prends le moi, saumon. Moi, je l'aurais pris aussi, Ça, c'est mon genre. Oui, je ouais. sais. Au risque de me répéter, j'ai travaillé pour un chef qui dit, quand tu vas dans un restaurant, tu sais, des places qui ont comme 35 affaires dans le menu. Ouais. Puis tu n'es pas sûr, prends un club sandwich. Hein? Ah ouais. Wow. Le Les club spaghettis sandwich, sont souvent bons wow. Wow. aussi dans ça. ces places. Tu sais, ça, c'est euh... ouais, ça. Hey, euh, moi, je vais, je vais enchaîner <laughs> avec une autre conversation. Ben oui. Conversation. Ben, Vanessa, quand là, ça va peut-être peut dire, oh, je t'en ai de parlé de ça. Mais quand c'est connu, mm -hmm. tu détais des gars. Puis là, euh, quelques années plus tard, t'es en couple avec une femme. Mm -hmm. Ça a-tu été une transition parce que moi, il me semble que dans ma tête, quand tu étais des gars, t'étais pas. Je pense pas que tu t'envisageais. Bon, en même temps, tu me l'as peut-être jamais dit, mais non. Ben... Je pense pas que tu en, t'envisageais être en couple avec une femme un jour. Non. Ou... si, si je prends, <laughs> si je synthétise vraiment rapidement là, j'étais, j'ai toujours été attirée vers les gars. Mm -hmm. Il y a une partie de moi que des fois, je, je pense. Tu sais, quand j'y quand repense, je me dis, ah, oh, en troisième année, je regardais, mettons, euh, un peu le corps de, mettons, une de mes profs. Après <laughs> okay. ça, je me comparais. Mais tu sais, en même temps, tu es comme, est-ce que je me comparais? Tu sais, il y a plein d'affaires qui. Tu te dis, oh, OK, oui, ça fait un sens. Aujourd'hui, c'est avec une femme. Puis quand j'étais plus jeune, je regardais les filles. Mais en même temps, est-ce que c'est pas que je me comparais parce que j'étais pas ouais. la même chaîne que les autres filles? Mais en tout cas, après ça, j'ai vu qu'il y avait un couple ou deux euh, de lesbiennes à mon secondaire. Puis j'étais comme, ah, oh, c'est fucking nice. Mais moi, je serais pas game. Okay. Après, plus tard, c'était juste des gars, encore. Puis, jusqu'à ce que je vois, j'ai vu vu dans un. Euh, ouais, ben oui. Moi, <coughs> ouais, c'est ça, ma, ma famille d'histoire que je raconte tout le temps, mais je l'ai vu dans un. Voyons, dans une vidéo YouTube de Fred Bastien. Puis, la euh, French Fille, j'ai fait comme Ah, moi, moi aussi, je voudrais Frencher cette fille-là. Je sais pas pourquoi, j'ai comme eu un déclic. Je voudrais Frencher. J'ai écrit. J'ai dit, ça hey, tu crois que c'est d'aller prendre un verre, on se connaît pas, mais elle m'a dit, oui, full. Hmm. Puis, finalement, la soirée même, on s'est croisés dans un bar, on, la soirée même on s'est croisés, puis on s'est réécrit, puis on s'est revus, puis finalement on s'est frangé pendant une couple d'années puis euh, mais on n'a pas été en, en couple évidemment on était en couple avec des, des hommes à ce moment là puis euh, les hommes étaient au courant là oh, on ouais. <laughs> là. <rire> puis euh, c'est ça puis après, en, entre ça ben là je me suis dit ah, ben là si je vois Liz peut-être que je pourrais hey, c'est up parce que j'ai daté ben je l'ai dit plein de fois Margonier ouais, aussi ouais. Puis euh, dans mon podcast avec Rim et Brandon, Rim oui. me rappelle qu'on a eu une date un moment donné. Moi, pas je suis comme, Magot, les gars seraient tellement jaloux <laughs> là, de <rire> voir <rire> les filles que j'ai datées. Mm. Je suis comme, Lisanne Nado, Marie Rim Nébak. Juste ces trois filles-là, comme les vrai. gars sont genre... C'est tout le style de... de tu sais, les gars capoteraient, là, de, à ma place. Puis reste que Moi, je suis un gros, Mais... qui sait, peut-être qu'après tout, ça va être toi, une Charles, ah. Ah. Can I watch? Ah. Non. Ah. <laughs> Oh, ben, oh, J'ai 47 ans, ouais. tu t'attends à quoi? Ouais. Faut juste qu'il conduise un pick-up ça ouais, va ouais. être là, vraiment l'homme. Ouais. Ouais. Moi, quand, quand il y a des problèmes, je, je rêve ça rêve d'avoir un pick-up. C'est sûr. Ah ouais. <laughs> sûr. Les gars, qui ont... quand il y a quelque chose qui se passe, là, sur la route, mettons, je suis comme, qu'est-ce qu'ils ont dit, bébé? Elle dit un pick-up. c'est voilà. Ouais, c'est oui, toujours ça. ça c'est pas, tout... pas toujours, mais. C'est souvent ça. C'est 50% de notre public, c'est des make-up. Mais c'est pas grave, tu On les aime. Ce n'est C'est pas grave, parce qu'il y a 50% du monde qui les aime. C'est-à-dire, Bob, toi, c'est l'autre, 50%. C'est ça. Mais, fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que j'ai l'été ces filles-là. Puis après ça, j'ai rencontré ma blonde. Puis je m'étais dit. Puis on s'en la barre dans mon podcast, tu sais, de se sentir euh, pas dans la ligue de quelqu'un. Tu te dis, genre, oui. ah, cette personne-là est trop belle, trop intelligente, trop, c'est pour moi, je ne suis pas dans sa ligue. Mais moi, j'ai comme pas souvent eu ça comme feeling, t'sais. En fait, j'aime pas ça m'arrêter parce que j'estime quand même d'autres choses que mon apparence. Mm. Fait, que ça comble quand même, même si je ne sais pas, 100% comment ça en moi, comme j'ai tantôt. Mais fait, que quand j'ai vu ma blonde sur euh, Tinder, pis ça avait vraiment été un 10 minutes que j'étais sur Tinder. Je suis arrivée sur Tinder, 10 minutes, swipée, elle m'a répondu. Puis après ça, on est en couple, je me suis désabonnée, tu sais. Fait. Que... Wow, C'était mais... du dit... Oui, vraiment, ouais. on était vraiment dû puis ça aussi je l'ai raconté mais je trouve que j'aime ça la réponse à cette histoire là. <laughs> euh, un moment donné, j'étais dans un lancement de livre de Rosalie Lessa, puis ouais. il y avait une, une amie à moi qui vient me voir, elle me dit "Ah, euh, j'ai une date au soir avec une fille." Euh, je suis comme elle monte-moi là, me la montre, puis je suis comme un ah, gars vraiment belle tout ça. Puis elle dit "Bon, faut que j'y aille arrivée." Puis là pendant qu'elle s'en va, moi je vais aux toilettes, puis je me rappelle je suis à balle en train de faire pipi là, puis juste comme "Ah gosse, ça te fait là, non mais ben, belle, j'aimerais ça rencontrer une fille de même, tu sais." Puis un an après, on swipe sur Tinder, puis ma blonde, a dit, là, on parle, puis elle est comme, « My God, c'était moi, cette soirée-là, tu sais. Eh, » Ouais, c'est tellement comme « si I met your ouais. mother oui. », tu ça, ouais. ouais. J'ai jamais écouté ça. Ouais. Oh, en tout cas, ça ressemble un peu. Ouais. ouais. <laughs> jai tout quoi, euh, ouais. ouais, quoi, les Non, ouais. Non, c'est J'ai quoi, les Non, non, c'est pas grave, là, écoute ce qu'elle dit. Tu me la demanderas la prochaine fois, Bob. T'as un réel aidant. Merci. Non, c'est correct, pas de problème. Ouais. c'est ça. Euh... T'es si Mais non, t'as rien. T'as hein. dit la vérité, t'as rien. <laughs> c'est vraiment comme How I Met Your Mother. Ah ouais? ouais. Est tu sais, qu'on s'est Oui, oui, on l'écoute en ce moment. Mais moi, je l'écoutais plein de fois. Mais tout a mené à ta. c'est comme si vous étiez dû pour vous rencontrer avant, mais oh, c'était pas le ouais. moment. Moi, puis ouais, quand on s'est rencontrés, on avait tellement de problèmes, genre de communication, c'était fou. Mais on, on se battait toujours pour rester ensemble. Pis... Je me rappelle aussi. C'était vraiment ça. tough, là, au début, là. Tu sais, pis... mais les deux, on, on se disait, est-ce qu'on les... est qu continue? Mm. Est-ce qu'on travaille? Puis est-ce que, que j'avais j'avais jamais remarqué moi j'avais jamais été en couple avant elle fait que j'avais jamais remarqué que j'avais autant de traumas, mettons autant d'affaires pas résolues puis elle aussi de son bord ça faisait cinq ans qu'elle était célibataire mmh. puis son dernier sa dernière relation c'était pas euh, super sain fait que fait que c'est ça fait que là on s'est on a remarqué qu'on avait plein de traumas puis là on a commencé à déconstruire ça puis on est encore là dedans après quatre ans tu sais les affaires qu'on est comme oh shit euh, on a faudrait travailler plus là-dessus là, puis là on fait des vrai. mises au point ouais. puis euh, fait que je pense que c'est ça qui est sain dans notre relation puis c'était dû pour elle puis elle était dû pour moi je pense. J'espère que ça va durer longtemps mais vous êtes bien vie... parti vous êtes cute au bout. Exactement, ah oui. non ouais. je pense que vous vous complétez bien, je ouais. trouve. Ah, ça pour se compléter ouais. là. On est vraiment là euh... mm. à l'opposé là, c'est vraiment il y a rien, c'est ça qui est weird parce qu'il y a rien qu'on dirait qu'on a en commun. Mais que Céline Dion. <laughs> hein, c'est le regard que j'ai. Elle a chanté que Céline Dion elle, elle une... aussi Parce que tu as chanté que Céline Dion. Oui, ouais. mais elle, c'est son idole. Okay. Ouais, c'est fou. Allez, okay. okay. Là, elle a des tatouages. Wow. Elle a deux tatoues. OK. Je vous jure, elle est intelligente puis haute. Ah oui, oui. Je ne veux rien dire. J'ai pas un tribal, j'ai deux tribaux. Oui, c'est vrai. Ça revient à mode, je pense. Ça reviendra jamais à mode. Oui, ça va être un fait tatouer un. Ben, genre. Mais il est plus beau que ça. J'avais 17 ans, là! Je comprends. Est on est en 1993, quand même. C'est ça qui te les fait toi-même? Non, non. <laughs> On aurait un peu dit, là. On parle un peu de mes tatouages. Il <laughs> où l'autre? Il est où l'autre? Il est sur slow bras. En fait, lui, je l'ai ah, fait... Ah, il est à... moins pire. Je l'ai fait en premier, lui, OK? Mais après ça, quand je portais des T-shirts, on le voyait pas. Fait que celle-là, je, je l'ai fait, fait, fait plus, bas. plus bas pour que le monde sache vraiment que j'ai pas de goût. <laughs> Mais je comprends tellement mes tatouages. Je les en... mets quasiment tout en fonction de les jeux que les gens les voient. Mmh, tu vois, après oui, ça, j'ai arrêté. Oui, ouais. Toutes mes oh, autres ouais. sont bien cachées. Mmh. J'ai un tramp stamp dans le bas du dos. Ah, la, ouais? ville oui, la ville de Montréal. La ville de <laughs> Montréal. Non, arrête-moi ah, ouais. ça. En plus, je porte des combines. Le monde va voir mes combines. Ah, T'as des combines faim. à toute la ville de je Montréal. Parle... On en a parlé à plusieurs fois cette saison-ci. Oui, ouais. Je suis commando d'avril à septembre, puis de fin septembre à début avril. Je porte uniquement des combines. J'ai pas de boxeur, que pas de bobette. J'ai juste des combines où je suis nu sous mes jeans. Mais là tu me peignes mon bonjour. Mais j'ai des, pantalo okay, des pantalons des pantalons en fait, de comptoir. Let's go, on le fait. Et voilà. Ah on ben. Stamp. Radio Canada est ah. ici. Ah, ah Radio Canada la, la vieille mouvance. Ah, ah. Ah. Moi je pensais à un petit papillon mais tu sais ce qui est drôle tu sais à l'époque mais non on a changé de sujet on parlait de mais c'est pas grave je veux finir rapidement on va wrap up on va revenir inquiète-toi pas je suis je suis tu m'as pas offert du vin offre-moi du vin mais j'ai fait cette joke qui est pas racontable mais j'ai fait ce tattoo tu sais tu fais faire des tatouages quand t'es un jeune homme pour te penser viril Puis j'avais comme 24 23-24 ans que j'ai fait ce tattoo-là Puis un de mes chums est rentré il a dit hey malade pénis c'est fait de tatouage Tatouer le village gay au-dessus de son cul. Puis j'étais comme. Oh shit. Ah oh, fuck. Fait que, <laughs> <laughs> okay, yeah. C'est ça, non? Mais, euh... mais là, aujourd'hui, tu pourrais rajouter des boules du village? Oui, oui. Mais ouais. j'avais un amour de Montréal. Tu sais, j'avais? Ben, je l'ai moins. Hein. On, on déménage la ville, puis on est content. Ah là, c'est fait, là? Euh, ouais. On a acheté la maison, on n'a pas déménagé ouais. encore. En fait. Mais c'est officiel que c'est ouais. à vous, ça. Ouais. Ouais. Merci, on Merci est contents. On n'a pas encore célébré, on n'a pas passé devant le, chez le notaire. Encore, pour ceux qui se la c'est dans le coin de l'Abitibi. <laughs> <Yes, non. rire> Mais le pain, c'est que je suis sûr que quand tu vas déménager plus loin, on va se voir plus. C'est souvent ça. Oui. Hey, je viens en ville, mm -hmm. j'ai deux soirs de libre. Bon, c'est ça. Ouais, oh, ça. On ne viendra pas en ville pour rien. On va venir en ville pour aller souper chez vous. Exact. On <laughs> habite à 20, 25 minutes. Mais là, il faut revenir à ce qu'on disait. Oui. <laughs> <laughs> Non, mais votre beau couple. Ouais. Puis, tu sentais, mettons qu'un jour, mais je pense que vous allez rester longtemps ensemble. Vous êtes des parties. Oui. Mettons un jour, là, vous n'êtes plus ensemble. Est-ce que tu redaterais des gars ou tu te sens tellement. Parce que je te trouve vraiment plus épanouie depuis oui, que tu es en couple? Après mes trois derniers gags, c'est sûr qu'elle ne date plus des gars. <laughs> Ils sont toutes calmes. Euh, je suis déjà déçue avant tes gags. Là. Euh, ouais. <laughs> ben, mes expériences euh, passées m'ont T'sais, quand je repense à ça, je suis comme pourquoi je me faisais subir ça? Puis l'affaire, c'est que je suis tellement rendue une pro de la communication. Je mm. travaille en esthétique sur mm. ma communication, sur dire comment je me sens, puis ces affaires-là, que j'ai l'impression qu'avec un gars, ça pourrait les gosser, puis mm. moi, ça me restreindrait. T'sais. À moins que je rencontre un gars qui est vraiment. Ça se peut, un gars qui est super ouvert, puis super dans l'air du temps, puis que lui aussi, il veut connaître dans a son langage ouais. de l'amour. Il euh, <laughs> y en a, je sais, là, mais je sais qu'un gars. Euh, qui qui est pas ouvert à ça qui n'a pas mettons qui a pas les intérêts communs tout comme ma blonde puis moi on n'a pas d'intérêt commun tant que ça sauf que on, on s'aide sur bien les affaires on s'élève ensemble puis j'ai pas l'impression qu'avec un gars jusqu'à maintenant et je me ouais. je marche sur des œufs mais parce ben que j'ai ouais. pas généralisé tu je sais que c'est pas tous les gars qui sont comme ça sauf que j'ai pas eu de connexion aussi forte avec un gars ouais. qu'avec ma blonde j'ai l'impression que ma blonde euh, même si des fois elle a des comportements en plus masculins <laughs> elle écoute mais OK. OK, tu sais en écoutant euh, en regardant le soccer. Là. Ouais, écoute écoute le soccer ouais, pour vrai. <laughs> euh, ben elle ben écoute le hockey, le soccer, tout mm. ça, puis euh, les documentaires. Tout ce que j'aime. Ah ouais. puis, euh, mais j'aime les documentaires. Ah ouais, le j'aime so mais... ça aller voir le soccer, mais en fait. Pas enfin... les documentaires ouais. sur le soccer. Non, ah ouais, c'est ça. Non, dernièrement. a écouté dernièrement. Ah, si, je l'ai ah ouais. ah... ah ouais, Il faut dit... qu'on souple. Qu oh ouais là. ouais c'est ça. Ouais. <laughs> ouais, vous allez pouvoir écouter euh, le soccer, puis nous, on va ouais. pouvoir ouais. bitcher. <laughs> ouais, c'est vrai. Puis <laughs> <laughs> c'est ça, fait que. Euh, ouais, je pense que si j'étais avec un gars après ma blonde, ça serait vraiment quelqu'un. Qui serait ouvert à la discussion, qui serait ouvert sur ses émotions, qui serait mm -hmm. capable d'aller de, de, deep. Puis, euh, évidemment, de, mais ils, 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 sont, ils ont eu un pas de. C'est ouais. pas parce que j'ai pas d'attirance physique, j'ai encore l'attirance physique envers les, les hommes. Okay. C'est juste que, je, amoureusement, tu sais, c'est ça. Ouais, mais là, en plus, t'es rendu une pro du dating. <laughs> mais c'est ça qui est dating, drôle, ouais. hein, maintenant. J'ai eu une coupe. depuis que j'ai parti mon, mon podcast. Des fois, les gens me parlent, puis leur première affaire, c'est. Il me parle de, de date, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est ma première relation de couple. Mais j'ai daté en Tu as daté beaucoup. J'ai ouais. daté beaucoup, mais c'est ma première relation de couple. Fait que, ouais. est-ce que est ce que je veux. J'aime ça que tu me dises, tes affaires. Je vais donner mon opinion, mais c'est jamais mm. comme basé sur des faits scientifiques, Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas thérapeute. Euh... ben ça, c'est pas grave. C'est vraiment... fou. Tout le monde te voit comme un, un expert de date. <laughs> puis, puis moi, ma mère, ma, ma mère c'est la plus grande fan de Star Academy. C'est que maman ah elle ouais. savait exactement t'étais qui quand ah j'étais aujourd'hui tu oh, pas trop choquée ouais. que je sois rendu brune? Non, pas du tout. <laughs> vrai, Et euh, fou, non, ouais. maman écoute, ma mère elle a 82 ans, mais maman elle appelle à vote oui, euh, tu sais, elle prend ça à cœur. sait que moi j'écoute pas ça, puis elle m'appelle le lundi puis elle me raconte l'émission. Ah ouais? C'est compte... mmh. comme j'ai pas besoin d'écouter cette académie, elle me raconte au complet. Mais fait, fait que moi je te vois vraiment comme une chanteuse. Tu sais, c'est moi j'ai plus porté ouais. à te poser des questions. comme euh, que, que moi je dois savoir, tu sais, Céline Dion, mmh. Michel Fugain ou Patrick Bruel, avec qui tu te referais un duo. Ben là. Oh, Céline! Euh, non, c'est toi, Patrick question. Bruel, euh, ça serait vraiment mon dernier. Là. Okay. Il était vraiment fin, mais après ouais. tout ce qui s'est passé, j'ai comme ouais. un malaise avec lui. Ouais. Mais euh, puis en plus, l'anecdote par rapport à Patrick Bruel, c'est quand je suis à l'académie, il y avait une tune qui avait été donnée à Patrick Bruel et à Pascal Chaumont, je pense. C'était Je te le dis quand même. Puis vous connaissez pas la chanson, je suis pas dis quand même. Mais je connais. Je t'aime. On aurait pu se dire tout ça? Non. Parce que c'est fou des chanteuses. En tout de suite, tu fais ça puis ils savent la tune. Je ne sais de quoi tu parles. Bon, en tout cas. Puis. Ah non, ça c'était dessus, On se coupe, peu importe. Fait que, euh, ouais, fait que la toune était. Moi, je la connaissais par cœur, parce qu'il y avait une version la... avec Lara Fabian, puis que je l'aimais en tabarouette, cette mmh. toune-là. Puis là, Pascal, puis Patrick, il arrive pour la chanter. Patrick Uriel dit comme, ah, oh, moi, je parlais de chanter ça avec un gars. Oui, eh, ben, ben. Ouais. Fait que là, on se dit comme, il y a quelqu'un qui peut la faire. Puis là, moi, je suis comme, je la connais par cœur, mmh. j'aimerais ça la faire. Fait que là, on commence, à... On commence à, à peine à pratiquer. Et là, il y a une voix dans l'intercom qui dit La toune va te donner à Émilie. Mmh? Plus, genre. Bon, ben. Elle la connaît pas. Elle a pas levé sa main, elle a, moi j'étais là. Oh, wow. <laughs> Puis plus tard, j'ai su peut-être que là, ceux qui vont. Ceux qui étaient à l'époque de Star Academy qui, qui se raconte qui se rappellent d'autres faits, peut-être, mais moi, c'est ce que je me rappelle. On m'a dit plus tard que c'est parce que... Et ce que j'ai vu, c'est que pendant la mise en scène, il fallait que la personne qui chante soit sur le piano. Okay. À cause que j'étais grosse et voulaient pas me sacrer sur le piano. Ah, il voulait pas. Genre assis sur le piano ah, ben, bien, pendant qu'on chantait avec Patrick Burel, le monde, Burel, sais, mais j'aurais ouais. pu être debout à côté du piano, ouais, oui, tu sais. Euh, mais euh, la mise ah. en scène, c'était pas ça, tu sais. Il fallait qu'on soit couché ou assis sur le piano, Puis euh, moi, ça marchait pas. Fait que ça m'avait fait bien frustrer, tu sais. Euh, ça, mais sinon, Patrick Burrell, à l'époque, moi, quand je chantais avec, il était vraiment fin. Puis j'ai une, une belle expérience, j'ai un beau souvenir avec lui. Michel Fugain, je l'ai adoré. Ré, il était incroyable d'ailleurs c'est fucking drôle parce qu'hier il y avait une pub à la télévision qui disait qu'il revenait en show ouais. à Montréal puis là je dit à ma blonde si tu cherches un cadeau de Noël mmh. <laughs> j'adore Michel Fugain mmh. puis je l'aime pour vrai Mais je suis tellement fan de chante. ses pâtes. Je te jure. <laughs> tout a changé ce matin. <laughs> c'est la fête. Ah, okay, Bravo ouais. Monsieur le Monde. Chapeau. Non, non? Okay. C'est comme une légende. Euh, ouais, euh, je sais pas trop. Il chante monsieur. tellement. De mais c'est correct. C est, c est, c est, non, mais on a souvent des. Mais toi aussi, tu une grande connaissance musicale. Ouais. Puis j'ai fait un medley Michel Fugain, à l'académie, oui, effectivement, oui. j'ai appris plein de trucs. Mais euh, d'ailleurs, on avait fait le on avait fait comme un oiseau. On avait ah, fait oui, puis quand on a écouté après l'émission à l'académie. Tout le monde faussait, c'était dégueulasse. <laughs> tout le monde était gêné. C'est comme. Ah, ah, ah. c'est dégueu. <laughs> Puis. Euh, fait que c'est ça. Fait que je dirais. Je dirais Céline pour me racheter. Oh ouais. Pour ah, me racheter pour de ce que j'y ai fait. Ah, en, pas, live. fait courant. en live. C'est parce que. Ça, je me suis fait là, parler de ça pendant. Mais oui, on ne sait rien. Oh, en pas plus. des fêtes fucking longtemps. C'est qu'on chante d'amour ou d'amitié sur la scène. Puis euh, quand. quand <laughs> En répétition, moi je disais il. Euh, c'est quoi Si il, en tout cas, il y a comme un moment donné, c'est s'il. C'est bon. Quand on se parle d'amour, d'amitié. Moi je l'aime et ne peux ouvrir ma vie, mais même si il ne veut pas de ma vie. Fait que moi je disais tout le temps ça, mais c'était pas ça. Même c'était même s'il ne veut pas ouais. de ma vie, mais moi ah, je dis même okay. si il. Oh, ouais. ah, okay. Fait que là, c'est elle me dit ah oh, Vanessa, on va faire comme c'est même s'il. Fait je suis comme, ok, ok, okay parfait. Pleur rendu au chaud, je dis, même si il. Mm. Mm. Fait que là, aussitôt que je dis, même, même si il, moi, ça bug dans ah ouais. ma tête. Je ben comme, oui, c'est ça. J'ai pas comprends. écouté Céline Dion qui m'a dit de pas faire ça. C'est comme <laughs> si je disais, <laughs> je vais faire comme je veux. <laughs> fait que là, je suis genre, je suis buggy, là Je suis vraiment, je capote. Et là, Céline Dion décide de rajouter à la fin une petite main. comme Elle veut comme me flatter à la fin, parce que moi, je m'en vais. Fait que c'est comme si elle veut me flatter le visage. Mais moi, j'ai pris ma toune, je <laughs> sac mon camp. fait que je fais juste je m'en veux plutôt Céline qui fait ça dans le vide eh, oui il y a un extrait you left pense. Céline hanging Exactement. wow, wow. Fait que ça fait juste... gros statement ouais, oui. <laughs> moi j'ai jamais vu ça, je l'ai vu après. Ah oui. Il y a du monde qui m'écrivait pour me dire ça, j'étais comme de quoi qu'il parle? » Puis quand je suis allé voir ça, j'ai fait oh my god. Mais c'est pas grave. En même temps, c'est juste mais drôle. Non, mais, ouais. même si je l'ai, l'ai pas, si il... si si il... <laughs> pas vu. Même si il. même si il, je l'ai pas vu. Tu sais. Fait que c'est ça. Je dirais Céline, Fugain mais vraiment proche, puis Patrick Bruel en, en dernier. Patrick Bruel, c'est ce qui chante euh, qui a les oui. ouais, ouais. Okay. Yeah. Ouais. ok, mais je. Je l'aime à mourir. Non, ça, c'est Francis, Francis Cabrel C'est okay, Je les mélange des fois. Ouais, puis les puis deux, le c'est son... vide, tombe. Ah oui, oui, oui. C'est oui. Paris c'est aussi. Quoi, euh, ça, aussi. Euh, on a un rendez-vous dans 10, 10 ans. même ouais, okay. ouais, ouais. On va se Il y, des an, euh... non, non. Il y <laughs> en a une couple quand même. Non, il, y a, il y a la bonne chanson. On va donner au gars ce qui appartient. Hein. J'aime ça que Michel Fugain il est comme ex-écho. Il est écoeurant, Michel Fugain là. Écoeurant, La fougue qu'il n'a pas changé. Ça fait 2009 que c'est fait... Académie. Ça fait 14 ans. On dirait que c'est je l'ai vu là, puis je l'ai vu sur, à la télévision hier. Pareil. Mais les, les chanteurs français, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur ADN, mais ils vivent tous jusqu'à 100 ans. À part Claude euh, François. Euh, oui, oh, <laughs> Ah, part Claude François. Ah, mais il a vu, c'est pas la Dame Blanche aussi. Oui, oui. Ouais, oui. Ça, Claude François, ouais. c'est mon oh, boy. top. Ouais. Ah, ouais, ah, il ouais, est tic euh, Hier, on écoutait comme d'habitude à la maison. De... C'était ma toute Joby quand je suis partie de Star Academy. Ah, ah ouais. Ah ouais. ouais. oh, wow. Alors, ah moi, je tripe sur Claude François. Toute ah son ouais. histoire de vie, euh, c'est fascinant, pour vrai. Ah ouais. Non, mais tu sais, même Johnny à tu sais, qui est Chris, il a abusé de son corps, là. Un, Johnny. Il, il est allé solide. Il a, vécu, il a vécu vieux, pour vrai. Ah là. ouais. J'allais voir un de ses shows, il était solide, là, pour ah. son âge, quand même. Là. Vraiment solide, là. C'est <laughs> gars, là, sa voix, toute tout le. Non, moi j'aime beaucoup les chanteurs. Il euh, y, y a des chanteurs français que j'aime beaucoup. Il ouais. y a eu une période où ce qu'on disait que les chanteurs français comme il y avait moins de voix, les chanteuses surtout j'imagine. Il y avait moins de voix. Fait qu'on, c'est pour ça qu'avec euh, Isabelle Boulay, les euh, ouais. chanteuses québécoises sont allées en France puis que parce ouais. qu'il n'y avait pas des grosses voix, mettons, ils en France, mais en tout cas, moi, il y en a beaucoup que j'aime là. Euh, mm. Puis encore aujourd'hui, j'aime particulièrement différent. la musique française. Ouais. C'est qui ton rêve Avec qui tu rêves de chanter un jour Mon Dieu c'est une bonne question mais l'affaire c'est ça que j'ai disais tantôt, c'est que j'ai pas d'ambition ouais. vraiment de chanteur de chanteuse ouais. j'ai plus d'ambition de show ouais. moi je pense plus en termes de show tu sais moi si quand je quand je vais en studio mettons parce que j'ai essayé dernièrement de, de faire des petites tunes parce que sans pression parce que mon but c'est pas de devenir ouais. Chanteuse, je me suis faire une coupe de fois, d'avoir des tours à moi quand même, trois ou quatre, mettons un petit EP. Qu'est-ce puis... que je ne suivais pas? Je pensais que tu, voulais, tu rêvais de chanter avec sans pression. Continue. <rire> <rire> sans pression, <laughs> Bien. Oh, nice bon, ben, pas? <laughs> que ça pourrait être un beau <laughs> film, <là>, qui sait? <laughs> mais j'ai fait une coupe de tours main, puis je remarque que je pense toujours aux, aux chansons en fonction de ce que ça pourrait avoir l'air sur scène. Ah, ouais. Quel costume je pourrais porter? Avec qui je pourrais danser? Euh, mes choristes, qu'est-ce qu'ils feraient? Mm. Parce que je ne vais pas être toute seule ça la scène, moi. Moi, mmh. ça ne me tente pas que ça soit. Mesdames et messieurs, Vanessa Duchel, ça soit juste moi, ça ne me tente pas. Mmh. Moi, j'ai envie de faire un peu comme Bruno Mars, là. ça serait Bruno ouais. Mars. Ah, ben oui, clairement. Genre, mais... de, de, de voir comme. avoir mes, mes choristes. Que ce, que ce soit pas mes choristes, mm. qu'on soit un genre de band, qu'on ouais. chante ensemble, qu'ils qu danse avec moi, euh, mm. qu'après ça, avec le band, puis les choristes, puis on va tous prendre un, un verre, peu importe. Mais on est ensemble ouais. tout le temps. Ça ne me tente pas d'être la seule à sortir après le show pour aller signer, puis prendre des photos, au je veux que, mon, que tout le monde vienne avec moi. On ouais. est ensemble là-dedans. Mm. On passe les mêmes soirées. Je... Ça me tente. C'est ça que j'aimais, moi, quand je faisais des comédies musicales tout ça. Ça me faisait ça me faisait chier quand le monde restait pas après. j'étais comme ah pour dire salut ou euh, mais pas pour dire public. salut je parle parle l'équipe la gang. Ouais. Hein, ouais, ouais. ah genre pour aller prendre un verre ou, okay, ou ouais. juste ouais. discuter après dans, ouais, ouais, dans, ouais, dans ouais, la ouais, c'est ça que j'aime le pas mm. le plus mais ça fait partie vraiment ouais. de ce que j'aime beaucoup là, ouais. Là, ouais. être euh, ensemble puis discuter puis euh, ça prendre des affaires hein, puis peu importe c'est ça que j'aime ah. non mais je l'ai déjà relancé parce que je chanter avec Bruno Mars je veux mes billets du Super Bowl ça va être à mi-temps ah c'était pas un show Ouais, cette année, oui, mais il a déjà fait Bruno Mars, ouais, c'est ça. Il a été invité avec ouais. d'autres personnes, mais Usher aussi, ça va être bon. Je ne sais pas si tu aimes Usher. Là. Ouais, oui. Mais Je ne suis pas plus le plus gros tôt, fan hein. d'Usher, mais ça va être bon. Ouais. It's getting hot in here. Non, ça, c'est Nelly. Non, ça, ça. c'est Nelly. Usher, c'est… Yeah. Usher, c'est… Ouais, c'est yeah. Yeah, burn it up, burn it up. You remind me of a girl. Nelly, c'est band-aid dans la face. All right. <laughs> Un ouais. mind mi ou... Euh, en tout cas... Il y a mais euh, tu devrais... Pourquoi tu fais pas sur TikTok? Genre, des, il y en a plein, moi, des chanteurs que je suis... Bah ben en fait, j'y suis pas, mais j'aime ça les voir passer <laughs> sur TikTok. Ouais. Tu sais, ils reprennent des tunes, genre, avec leur voix, c'est tellement... C'est tout le temps le fun. Ça pogne. — C'est le temps qui manque, ouais, je pour être bien honnête. Euh, en même temps, c'est aussi une preuve d'à quel point c'est pas ce que je veux faire, que je trouve pas mmh. le temps pour faire ça, tu sais. Mais moi, mon... mon plus grand rêve, c'est d'avoir un talk show genre Kelly Clarkson style, Oui, mais ça pogne pas. De pouvoir parler avec le monde, de pouvoir... ça quoi? Ça pogne pas tant que ça au talk show ah, OK, ouais, ouais. Mais j'étais comme, m'en fous. Moi, <laughs> j'aime juste ça. Ouais, fou. non, je comprends. j'ai envie de... de, envie de chanter, j'ai envie de jouer, mm. j'ai envie de faire euh, rire le monde, j'ai envie d'interviewer le monde, euh, j'ai envie ouais. d'avoir des... de faire des jeux avec le monde. Ouais. Euh, j'ai envie qu'il y ait des gens aussi Animatrice. devant nous. J'aimerais ça animer, oui, mais j'aimerais ça pouvoir chanter aussi. Parce mm. ben que c'est sûr que c'est un talent que j'ai. Puis j'aime ouais. vraiment ça faire ça. Sauf que j'ai pas assez cette passion-là pour faire des albums. Puis mm. chanter les mêmes tunes pendant des années à travers le Québec. Je comprends. Aller à la même place ouais. plein de fois, ma BTB, mm. chanter euh, <laughs> la même tune pendant ouais. des années. C'est pas quelque chose qui m'anime. T'as-tu mm. de track de... avant ouais. de monter sur stage? Ouf, 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 trop. Ouais. Trop. Trop. vraiment le, à chaque fois je me dis pourquoi je me fais vivre ça t'sais. je comprends as quand, quand même fait plein d'affaires tu as fait même un show d'humour avec Carl Hardy tu as des recherches <laughs> ouais il faut c'est vrai j'ai fait le ZooFest ouais. en 2014 je pense mais ouais on avait écrit un show qui s'appelle en tout qui s'appelait en toute amitié ouais. puis, euh, puis c'est drôle parce qu'on avait écrit ce show là puis en même temps il y avait Véronique Cloutier et Louis Morissette qui sortaient leur show de couple tu sais ouais. ouais puis j'étais là ah! Les hosties! »« Ils ont tout copié! Fait que. Euh, c'était vraiment le fun parce qu'on a écrit ce, ce show-là. C'est Thomas Levac en plus qui est venu nous aider pour écrire. Oui. Euh, on a tout écrit puis tu était venu faire un petit euh, script édition là, dans notre mm. euh, texte. Thomas the Puppet Master. Mais ouais. est clair. Ouais. <laughs> mais au début, il n'est pas connu par Thomas. Non, ouais. là, était, mais c'est un puis... écrivain au début. Oui, c'est voilà. ça. Il est vraiment hein. bon, tu sais. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup, Thomas. On s'est vu une couple de fois dans le passé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais j'aimerais vraiment. Tu devrais t'inviter, en fait. On mm. leur dira que t'es bonne en podcast. Mm. <laughs> mais il va penser que je copie Ben non. Ben non. mais oh, t'as copié dans son podcast Ah oh, non, vraiment pas. Ben je pense pas, là. Je, ben, tu c est, c est tu une crie une pas assez amie. dans le micro. Oui, c'est <laughs> ça. Ah oh, non, mais c'est ben, tellement pas la même chose. <laughs> Toi, c'est plus en profondeur. Tu sais, mais je dis pas que leur podcast n'est pas profond, mais eux, c'est un podcast du mot. Ben oui. Non, non, mais c'est vraiment pas pareil. Non, non, c'est ça. Moi, je me vois pas. Des fois c'est ben, drôle oui des fois c'est mais ben, pas je, je parle pas de moi mais je parle, des fois le podcast ouais. va, va là, mais c'est pas le but premier mais c'est ça fait que, ouais. ouais. que j'aimerais savoir un talk show euh, je sais pas qui euh. mais c'est poche, pas parce que mettons, aux États-Unis il y a tellement de talk shows. Mettons, Kelly Clarkson ouais. il y a genre Raven That's So Raven oui, tu en as un là maintenant Oui. ouais je savais pas ouais euh, là j'essaie de penser qu'il y qu a que ça me surpris non <laughs> C'est bon euh, qui En tout cas, il y en a plein, puis je me disais Mon Dieu, ça pogne. Puis si Martin Matt tu sais, c'est. S'il y a bien quelqu'un que ça pognerait, c'est Martin Matt puis ça pogne pas. Malheureusement. Ben, je pense qu'aux États-Unis, c'est simple. La a... culture du show. Mm -hmm. Puis aussi, il y a 300 millions de personnes. Fait que même ouais. si tu as rejoint, tu vas quand même avoir des bonnes cotes d'écoute. Ouais. Tu vas aller chier un million de personnes, même si. Euh, Tandis qu'ici, si tu vas chercher ouais. à peu près. Tu sais, c'est. Euh, ça serait quoi? Ça c'est stats. Ouais. C'est mes stats à fait moi. Des euh, fois, je fais des meilleures oui. vues qu'eux. Ça oui. oui. la TV. Mais, oui, oui. oui. Mais tu sais, comme Marc Labrèche, ton nouveau talk show, je viens vers toi. Ouais. ouais je pense pas que ça. Je sais pas, si je ça fonctionne bien, bien, mais c'est fucking bon. Ben ouais. je, pense, je pense que là cette année, ça, euh, la première année, il, il okay. en parlait même des codes d'écoute là, que c'est ah ouais? pas ce qu'ils s'attendaient du tout. Ouais. Mais là, je pense, que ça a pris un, un petit envol. Okay. Oui, Marc ouais. C'est le fun parce qu'il donnait aussi la parole à des gens qu'on connaissait pas beaucoup. Ouais. T'sais, ouais. mettons Fabiola Aladdin. Ouais. Euh, je trouve. T'sais, moi, je la connais ça fait ça okay. fait 15 ans, mais je suis tellement content de la voir à la télévision. Puis là, ça décolle. Vous savez de qui je parle mm. Fabiola Aladdin. Oui, je suis sûre que c'est oui. Fabiola Nirva euh, je... Aladdin. Moi, je suis grande... grande... Je connaissais pas Nelly Piacher. Sure. <laughs> c'est une grande, <laughs> grande femme euh, noire. Elle euh, ouais, est enseignante aussi. aussi. Elle est comédienne. Elle fait beaucoup d'impro. Oui, Vous avez, je pensais exactement à elle. Ça, OK. What? Oui, oui. C'est quoi la série? M'entends-tu? Oui. Ouais. Ouais. Je ne l'ai pas vue, mais. Elle est vraiment excellente. c'est le fun que tu sais ouais. ils se sont pas dit ah oh, elle est pas connue fait qu'on la mettra pas là. Mm. Au contraire ils ont donné sa chance. Puis tu ouais. la preuve a animé le premier gala de Québec Cinéma tu sais euh, avant le, le gala des artisans. Okay. Puis puis non mais tout le ouais. monde fait confiance parce qu'elle est vraiment fucking bonne. Fait que tu sais je trouve ça nice de voir qu'on qu voit des nouveaux visages. Il euh, y a aussi la portion chanson que je trouve nice aussi. Mm. Euh, ouais. Ouais. Puis tu sais Marc Abrèche C'est le gars le plus drôle. Ouais. Oh ouais. Moi j'ai j'ai fait une, une comédie musicale avec Léanne. Mm. Puis à tous les soirs, j'étais comme, c'est quand même nice. Là. Léane est ben, vraiment exceptionnellement bonne aussi. Mm. Puis là, des fois, je me dis, est-ce que Marc Labrèche va être dans la salle? Voir <laughs> ah, ça, il était là? stressé. Je pense qu'il est venu le voir une fois, mais il est pas resté pour nous, nous ouais, parler après. Mais évidemment, tu sais... Je... Ça fait tellement, fait tellement d'affaires qu'il peut pas tout... Euh... Oui, en plus. là Mais ouais. moi, ça me stressait. Euh, j'étais capable de dissocier Léane de Marc, même mm. s'ils sont identiques. Oui, ils sont sentent Mais hein? quand j'étais avec Léane, je pensais pas à son père. Mais ouais. des fois, le soir, j'étais là... S'il est là, il faut vraiment que je sois bonne, ouais. <laughs> Mais ben oui, je suis vraiment ça. fan de Marc La ouais. Fait que lui, de voir qu'il y a un talk show, moi, j'étais vraiment euh, contente de voir ça. Mm. Puis ce serait un, un genre de talk show, évidemment, j'y arrive pas à cheville, mais ce serait un genre d'affaire, mm. concept que j'aimerais. Ouais. Le fait qu'il y a beaucoup de, de monde, il se lance la balle. Il, ouais. il y a un chien dans la salle. C'est comme ça que c'est un, ouais, un ouais, chien. Oui, oui, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je me verrais faire ça. Oui, je te verrais. Ouais, ouais. Ça tu fun. pourrais le faire sur le web. Avec des devant le public, ça des serait basé. Non, mais... tu euh, sais Quand tu l'as dit, ouais. c'est la première fois que j'ai pensé. J'ai dit, asti que ça serait hâte que quelqu'un sorte un show comme le devant le public, public. Là, en euh, rangé. Oui, ouais, yeah, ouais. là, ouais. Puis il faut que tu ça sais, comme... Bon, vous autres, ça veut dire rien, mais Phil Donahue, lui, il prenait les questions du public. Puis, ah, ça, en en fait, aussi. Phil Donahue, c'est le gars qui a inventé le style aux États-Unis. Non 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 un talk non, show non un là. vrai talk show okay. là, comme ouais, ouais, ouais. Euh, ouais sur toutes sortes de sujets ah ouais j'aimerais tellement ouais, ouais. ça là. Ouais. mais tu sais ça je sais que ça prend Il un... faut, qu faut que je sois connue pour mmh. ça tu sais jamais mmh. les gens prendront un risque sur moi je suis pas connue mais fais-le c'est ça fais-le toi-même mais ouais ça serait à voir mais je pense euh... qu'on est rendu là, inouïe, là. Ouais. mais je vais voir comment mon podcast va puis si euh, ça prend l'air d'aller puis ça euh, ouais. tu sais, probablement que de voir que si ça fonctionne ça va me... de voir que ça fonctionne ça me donnerait comme Confiance mm -hmm. pour quelque chose, d'un autre projet. Mais je prends mm. confiance en mes moyens. Fait qu'avec le temps, puis je suis vraiment contente de ça. Mm. Fait, ça le fait le podcast, euh... ça va bien. Ouais. On dirait que quand je parle sérieusement, euh, je me trouve plate. Je suis désolée. Pas. Plates, c est c est tellement pas. C'est tellement le fun. comme mon gosse, c'est tellement boring. Vraiment pas. Vraiment pas. <laughs> vraiment pas. <laughs> non, non, on a invité le plus plate, c'est tellement. <laughs> on veut savoir. C'est quoi ah, euh, yeah. Alors, pas On En les chansons, ouais. tout le monde est le fun. Et même, on va demander euh, la dernière question. Oh, et voilà. À 5 minutes, drum roll. Est-ce que, Vanessa, as, je sais que tu as déjà vécu une grosse histoire paranormale ouais. que tu as racontée, on a raconté ensemble. <laughs> on Mais en parle que, encore, hein? Oui, je sais, Il y a ça a plein vient... de monde qui là, Tu leur publies ouais, le là. là. Oui, ça a bien pogné. Mais euh, est-ce que tu as déjà vécu une histoire de crime où tu as été témoin que tu connais quelqu'un à qui c'est arrivé une histoire? Euh que t'as dû de crime dû appeler le 91 à cause d'une affaire. Vraiment deux petites affaires, petites affaires, tu sais. Okay. Euh, moi dans le fond, j'ai fait du ménage longtemps dans les compagnies là. Okay. Pendant comme pas. 15 ans je faisais euh... mes parents avaient une compagnie d'entretien fait, un ménager commercial. Okay. Moi, j'allais avec eux souvent le soir, puis j'avais comme j'étais jeune, je voulais pas me laisser à la maison fait que j'allais avec eux autres, fait que j'avais comme peut-être 12 ans, puis euh, moi, ma mère elle me laissait euh, dans la cafétéria puis je faisais devoir, mes affaires de même, puis euh, m'emmener, j'entends juste tac 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 t'es ça cogne dans vide, puis là je me retourne, puis j'étais un grand 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 monsieur en train de se masturber dans le vide, eh? puis là okay, j'ai juste fait, juste fait, maman, <rire> maman, <rire> ma mère elle arrive, elle est comme qu'est-ce qui se passe, puis là elle voit le gars dans dans vide plafé, pas que le téléphone qui est sur le bord de la porte elle dit Appelle la police! J'appelle la police, mon hostie! <laughs> fait que là, elle appelle la police, puis elle, elle, rac elle raconte l'histoire, puis là, on a attendu à l'intérieur, puis quand on est ressorti, euh, ma mère, elle avait toutes ses clés dans tous ses. ses ben son oui. tu sais, pour être sûr qu'on qu soit en sécurité. Puis euh, c'est ça, puis après ça, mon père, il a fait, ben là, je, je te laisserai plus aller toute seule. Fait que là, mmh. mon père est venu. Mais mon père est dialysé depuis 34 ans, puis mon père a de la difficulté avec ses jambes, ça mmh. fait que si mon père est pas en forme pour se battre, mais ça reste que c'est un black mmh. de six pieds. Mmh. Fait que le monde. Tu sais, il va pas affronter. Quand tu vois la nuit, tu sais, t'es juste comme... Je vais pas me battre, tu sais. Euh, ouais. un blanc aussi, mais dans le sens que... Mm -hmm. Non, le stéréotype est là. Est... Ah, <laughs> non, mais c'était juste... <laughs> mais c'est vrai. Ah, ouais. Ça reste que c'est un, un stéréotype. Fait que les gens qui, qui vont le voir voudront pas se battre ouais. avec, mm -hmm. tu Même s'il faut pas encourager ça, ça reste que c'est ça, pareil. À ce moment-là, c'était ça. Fait que là, mon père, il vient. Puis là, cette fois-là, vu que mon père était là, je reste dans l'auto avec mon père. pendant que ma mère était à l'intérieur. Puis euh, on voit le qui se stationne au bord de la rue, le grand gars qui, dé qui euh, débarque commence à oui. marcher jusqu'à la, jusqu la fenêtre. Mais moi, dans ma tête, ce gars-là, aujourd'hui, 13 ans plus tard, plus que ça, 20 ans. Oh, j'ai 34 ans. Ah, yes. Ce que ah. je peux te dire va chier. <laughs> wow. Mais j'étais là 15 ans plus tard, ça, fait, ça me fait juste 27 ans, ça. J'avais 34 ans, <laughs> je serais quand même 3 ans de plus vieux qu'elle. Ah, <laughs> mais je me rappelle encore aujourd'hui, mais le, le souvenir que j'ai de cet homme-là qui marche vers la fenêtre, il ressemble, je sais pas si tu as vu le film Sign » avec Mel Gibson. Oui, mais... L extrater les extraterrestres, ouais. tu sais, ils sont tous dans un donné avec leur petit chapeau d'aluminium, là. Okay. Ouais. L'extraterrestre, à un moment donné, il tient l'enfant dans ses bras, puis il est comme debout, puis c'est comme... Il, il est comme désarticulé, puis il est fucking grand, ah. il meg. Mais le souvenir que j'ai de la personne qui marche jusqu'à la fenêtre, c'est ça. C'est ça. Pis, euh, mais je sais que c'était pas ça. Puis là, un moment donné, mon père voit le gars, et là, il est comme bon. C'est là que ça qu se passe. Qu'est-ce que je fais, je peux pas courir. T'sais, mon père peut pas ah. courir. Fait que là, il est comme bon, je vais sortir. Fait que là, mon père il sort de l'auto, puis il fait juste toc, toc, toc sur le hood du char. Puis le gars, il arrive à mon père, puis il fait. <laughs> il est parti à courir! Il m'est arrivé vers mon père tu sais, pour se battre, puis il a juste fait non, 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 non okay, Fait qu'il a quitté son cœur, puis il n'est plus jamais revenu. Mais ouais, il y avait ça. Puis euh, une niaiserie m'a emmené chez nous, euh, une panne d'électricité. Puis ah, euh, oh, mais non, j'ai été témoin! <laughs> C'est vrai, j'étais à Saint-Janvier, j'habitais à Saint-Janvier à l'époque, à Mirabel, je sais pas si ça vous dit quelque ouais. chose. Ouais. Puis euh, à côté de moi, il y avait un. Euh, pas loin de la piste de course, Icor. Oui, exact. <laughs> il y avait euh, un voisin <laughs> qui s'est fait cambrioler pendant une soirée, mais moi, je suis dans le vide. Puis moi, je voyais tout ça, les gens qui rentraient avec une cagoule là-dedans. Mais moi, j'avais comme 5-6 ans. là. Je voyais les gens qui rentraient avec les cagoules. Puis j'étais comment ah, Ils rentraient avec une télé. Ah, ils rentraient avec des <laughs> affaires. tu sais. Puis là, je dis rien à personne. Moi, je suis comme. Ben non, ben, c'est En pleine été, qu'une cagoule, hein, moi, je suis comme, bah, on tu, tu sais. Puis là, le soir, la police cogne chez nous, puis tout. Puis là, ils disent il y a eu un cambriolage à côté. En ce que, ce que vous avez vu des affaires, me paraît comme non. Puis là, je suis comme. <rire> <rire> Moi j'étais de vue avec Jean-Rouge. Il y avait deux messieurs. Puis il y avait une cagoule bourgogne. Puis non non non. Puis j'expliquais un peu qu ce que j'avais vu. Tu sais. Puis, je sais pas si on réussit à, à les, à pas les pas arrêter. Parce que malheureusement les gars absolument ils enlèvent la cagoule bourgogne avant d'aller chercher un café au téléphone. C'est vrai. Ils détruisent, les preuves. Ils ne t'ont pas hypnotisé pour en savoir plus. <laughs> la police. Ouais. Mais non mais il faut... Pas pour un cambriolage. <laughs> OK. Et puis là, tu dis. Ça arrive des fois, des témoins, mettons, ils voient de quoi, puis c'est tellement important, mettons, un, pour un meurtre ou une disparition, qu'ils vont hypnotiser le témoin pour qu'il se rappelle et qu'il donne des détails précis. Ah ouais? Ben, ça arrive. Hein. Ai, je suis en train d'écouter la série Mindhunter en ce moment. Ah, c'est bon, Chris. Ouais. J'en reviens pas que c'est cancellé pour une troisième. Ah saison, ouais. j'en reviens pas. Ah ouais, c'est vraiment bon. Je m'entraîne, puis je suis comme. Je, je, juste, grâce à ça, je peux m'entraîner deux ans. Oui, ouais. des, des fois, ouais. c'est. Tu sais, des fois, il y a des séries là, rendues à 5-6e saison, t'es comme... Ah, ouais. oh. oh, c'est ça, c'est lourd Mais il, y avait, il y allait parler si de... Ouais. Comment que ça s'appelle, le, le genre d'électro... Oh, comment que ça s'appelle, le tueur, là. Il y a un look bien straight, là. Hey, je... De Dennis Rader. Okay. Dennis Rader. En tout cas, ils le il mettent, genre, à quelques moments dans la série, je pense, saison 2. Puis là, t'étais comme, OK, saison 3, ils vont en parler. Puis finalement, ils n'en ont jamais parlé. Oui, parce qu'ils l'ont cancellé. Oui, hum. c'est ça. Est malheureusement. <laughs> c'est ta dernière histoire oh, Oui, ben, c'est vraiment ouais. cool. là panne d'électricité okay, on a un triplé c'était on... ouais. ouais. cool. notre je... première là. Yeah. ah ouais, yeah. ouais. trois histoires oh, ben, c'est vraiment des histoires basiques puis ça euh... panne d'électricité puis là mon frère on était jeune j'avais peut-être encore 7 ans mon frère avait 4-5 ans là. puis là il fait noir en dedans puis là, mon père il est comme euh... mon frère il va aller voir dans la rue T'sais, il veut ouvrir les rideaux là la... qu'on avait un salon avec les grosses baies mmh. vitrées là. Grosses... en tout cas c'est ça puis il y avait les rideaux le soir, parce qu'évidemment, on fermait les rideaux le soir. Puis là, euh, mon frère, il va voir dans la rue si tout le monde manque d'électricité. Fait que là, il, il tasse les rideaux. Puis là, tout ce que j'entends, c'est Ah! Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, mon père est comme, ah ha, ha, ah ha, t'as vu ton ombre? Uh -huh. Puis là, mon frère est comme, ça doit être ça? Puis là, mon père est comme, oh, ben là, il est pas sûr. Fait que là, il s'en va voir. Il ouvre le rideau, puis il y avait quelqu'un qui a une cagoule qui partait de, de devant chez nous. 5 janvier, euh... <laughs> pas de <une> bonne place <laughs> pour les gens bébés. C'est là que tu as vécu tes histoires paranormales? Euh, non. Okay, C'était à Terrebonne. ok C'est vrai. Avant, j'avais ouais, de, de la vie. maison. Ben, ouais. J'invite les gens à aller voir notre vidéo ensemble sur ma chaîne YouTube. C'est une grosse histoire. Baby Vic et euh, Baby Vannis. Oui, c'est vrai. Ça fait un petit bout. On était. Bon. Ça fait trois ans, Trois ans, c'est pas trois ans. Cinq ans. Marblande, ouais, elle a aucune notion. trois <laughs> ans, j'avoue. Ça fait trois ans, ans que je avec puis qu'elle disait à tout le monde ça fait six ans qu'elle fait du true crime. Je suis demandé ça fait plus que six ans qu'elle fait C'est vrai. Ça je fait comprends. un mois qu'on sort ensemble. Euh, puis en... On est déjà mariés. <laughs> est... Moi, j'ai 30 ans. Ouais, <laughs> J'ai 19 ans, je hein? bon, euh... Sur ce, on te suit où, euh, Duchel? Sur Instagram, euh, très, Duchel. très Duchel. Sinon, euh, ben, mon podcast, détestable Stable, YouTube. Il est, ah. bon. euh, est partout, en fait. Il est partout. On a même notre page Instagram. Donc, si vous voulez nous mm. aider à... Blow up. M un ouais. petit peu yes. euh, sur Instagram, sur TikTok. Hey, même Yay. chose ici, on va en profiter pour dire aux gens ah. de, de s'abonner à la page YouTube euh, de... Ouais. L'anarchie culinaire, ouais. comme ça, ils reçoivent euh, les une notification. Ouais. Mmh. Yes. Même Merci. chose, on s'abonne à ta page aussi. On s'abonne. On s'abonne, on s'abonne à toutes. Je Readers Digest. Yeah, on va finir de manger. <laughs> Merci. Merci. Merci.